Mais le bonsoir, presque Vico, comment ça va? Sur une échelle de 1 à 20, combien as-tu faim? Je suis au bout du rouleau, purée. Putain, mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah alors? Attends, mettre un truc un peu plus... Voilà, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi tout. J'espère. J'ai enfin décidé de voir un chirurgien pour mon épaule, sauf que c'est la barbe à merde et je dois aller en voir un autre parce que c'est un cas trop complexe, donc évidemment on arrête de travailler jusqu'à nouvel ordre. Oh putain, Bichette, bah ouais, tu m'étonnes. Ah, puis toi, arrêt de travail, laisse tomber. On part sur une aide 4 à 6 mois, ouais, mais en même temps, si ça s'est mal remis, c'est le risque. Je comprends. Autant je comprends les deux aspects, tu vois. De ton point de vue et celui de la médecine. Mais putain, j'avoue, puis toi qui es à 100 à l'heure là. Bon. T'as des trucs que tu peux faire en visio ou c'est arrêt de travail complet par rapport à tes multiples emplois? Comment ça se passe? Putain. Allez. Ça s'appelle reculer pour mieux sauter. Arrêt complet, putain, fais chier. Reculer pour mieux sauter. Allez, on essaye de voir le positif. Putain, j'ai pas lancé de con, on s'en branle. J'arrête à la fin de la musique. 4 à 6 mois, ouais, j'avoue, ça fait beaucoup. Après, 4 à 6 mois, c'est quand même à peu près le temps qu'il faut pour lancer une chaîne Twitch propre, tu vois. Où il y aura des débats sur Moumou. J'essaie de faire des blagues, mais je sais pas si t'as l'humeur à rire en vrai. J'y vais, mais en vrai, je sais même pas. Du coup, j'avais déjà proposé, mais s'il y a des histoires à traduire, c'est avec plaisir. Mais oui, en plus, on va relancer la saison là, donc on va. On pensait repartir en mai, tu vois. On en a parlé avec Yop, on aurait bien aimé repartir en mai. Parce qu'avril, ça va être trop short. Mais tu vois, récupérer pas mal d'histoires, se faire un gros stock. Et après, lui, il en enregistre certaines sur sa chaîne Twitch quand il fait ses lives le vendredi, des fois, les petites histoires qui font peur. Là. Et le truc, c'est qu'il n'y a que sa voix, quoi. Donc on va se retrouver avec une saison 5 où il n'y aura que Yop qui racontera des histoires. Indigo, il sera bon qu'à faire les musiques, quoi. Mais du coup, oui, on va retourner à la pioche aux histoires. Et bah ouais, franchement, avec grand plaisir, presque Vico. Avec grand plaisir. Mais écoute, on se fera... Attends, je me le note parce que tu connais les post-it, c'est une passion chez moi. Je me le note et on va se faire une conversation avec Yop sur Discord. On va se faire ça. Parce que là, au rythme où on en est, si on veut un truc pas dégueu, tu vois, on va être obligé de finir par demander à ChatGPT, ce serait triste, quoi. Tant qu'à faire, si vous voulez une voix féminine, j'aurais qu'à venir vous voir. Oh putain! Ah, mais ce serait trop cool que tu passes à Nantes. Ce serait trop bien, en vrai. Surtout, l'été, tu sais, on fait l'épisode
l'épisode full nana, justement, où on file les clés de l'épisode, enfin, même pour des voix hautes, parce qu'en général, quand on réunit pas mal de filles, on en profite pour faire les voix sur les autres histoires qu'on a en stock et qu'on peut pas faire, quoi. Donc, ce serait avec grand plaisir, voyez-vous. Ce serait même un honneur de vous accueillir comme il se doit. Ce serait trop bien, en vrai. Pourquoi j'ai pas de son, là ? Comment ça se fait ? Ah, j'ai pas de son sur Chrome. Ah, je sais, j'ai oublié de lancer le logiciel qui gère ça. Fais voir, là. C'est mieux, déjà, ça. Mais quel boulet ! Quel boulet ! Bon, allez, générique, attention, bouchez-vous les oreilles, c'est parti ! Bonsoir. Comment ça va? Putain, mais presque Vico, c'est terrible. C'est terrible. On va essayer de faire les choses bien. Mais ouais, bah attends, déplacement, toi, tu viens comment? En train, là, tu fais comment? En avion, même, à Nantes, y'a moyen? T'es dans quel coin, toi, déjà? Je sais plus. T'es proche Suisse ou t'es carrément... Tu t'es enfoncé dans la France? Train ou voiture? Ah ouais. Et conduire, ça le fait. Ouais, c'est ça, proche fils, ouais, c'est ce que j'avais en tête, mais. Ok. Bon, ça fait un peu de route quand même, quoi. On a un aéroport à Nantes, hein. Si vraiment c'est trop galère, des fois c'est beaucoup plus simple. Hein. Ça le fait pas officiellement, mais t'inquiète. Ouais, mais. Oh putain, tu vois. Bah, voilà. Mais. C'est terrible, c'est terrible. C'est terrible parce que. À ta place, je serais pareil. Et pourtant, ça m'énerve. Limite, ça m'énerve d'un truc que t'as pas encore fait. Juste le fait de l'évoquer, on en est là. Putain, mais c'est terrible. C'est terrible. Mais comme je comprends en même temps. Putain. C'est quand même dingue. Mais le bolide bleu chiotte au garage, bah ouais, putain, mais ça... Non, mais sans déconner... Et le bonsoir Xavier, comment ça va? Le bonsoir. C'est une malédiction? Non, c'est pas une malédiction. C'est un truc qui était quand même... C'est une ombre, tu vois, qui te suit quand même depuis un petit moment. Tu sais qu'elle est là. Juste tu tournes la tête en te disant peut-être elle me voit pas. Mais en vrai, on va pas se mentir, tu le savais. Je crois que tu t'étais repété la gueule en plus dessus, je crois. Enfin, tu vois, c'est... En moto, là, tu vois, enfin, c'était tendu quand même. C'est tendu. Ça va super. Mais oui, c'est pour ça, du coup, c'est compliqué, tu sais, genre, c'est Tandax, quoi. Non, c'est fort la musique, ouais. C'est Tandax, en vrai. Tandax mode 2024, peut-être, je ne sais pas. Bah ouais, ouais. Non mais c'est ça, en fait, tu savais, t'avais pas le diagnostic. Je pense que du moment où t'as le diagnostic qui est fixé, ça fait quand même un... Ça calme, parce que genre... De quoi ça parlait? Ça parlait de Presque Vico qui s'est démis l'épaule et qui se retrouve en arrêt de travail, quoi. Sauf que c'est arrêt longue durée et ça fait chier, quoi. Ouais, ça rend pas ça plus cool, ouais, ça c'est certain, c'est certain, c'est certain. Mais c'est vrai que, ouais, t'as le coup près, tu vois, vraiment, t'as cet aspect-là, quoi. Genre l'annonce du diag et tu fais, bon, bah, oui, oui. Et ça fait chier. Bah, c'est pas arrêt longue durée, c'est arrêt... ouais, ok, chirurgie réduc, ouais, putain, quand même. Hein. C'est terrible. Ouais. Putain... Bah, mardi de merde, quoi. Mardi de merde, courage, ouais. F dans le chat pour Presque Vico, bien sûr. Le streamer à la merde, le gros forceur. Putain, mais ouais, ça fait chier de ouf, c'est terrible. Ouais. Oh non,
Non, ça remet pas en cause ça, franchement. Je pense pas, si. Ou c'est quoi, c'est le stress ou tout ça. Franchement, je pense que tu peux... Enfin, ça remet pas en cause les plans. Enfin, je connais des mariés qui se sont... Enfin, je connais des gens qui se... Une mariée qui s'est mariée en plâtre, tu vois. Genre, ça fait chier, mais si tu prends ça à la rigolade, c'est mieux, quoi. Je peux pas être inapte à mon mariage. Bah, ah oui, ouais, oui, oui. Genre, non, ok, bon, ok. Ça décale. Ça décale. Ah putain, arrête, c'est terrible. Ah, je suis désolé. Putain, Origin Lion qui arrive avec ses blagues là. Comment il va le GOAT? On n'est pas sur la rigolade, Origin Lion. Donc on reviendra après au jeu du Perdigo. Toi t'arrives, tu fous les pieds dans le plat. On dirait, je l'ai pas raconté en vrai, je dirais pas les détails, mais on dirait moi en interview de Xalinette. Putain, mais merci Xalinette pour ton ouverture d'esprit. Parce que moi, j'ai vraiment ressenti ça comme une énorme boulette. Alors tu sais que genre c'est pas du tout l'idée quoi, mais je sais. Et genre c'était... Mais ouais, je sais, j'imagine. Mais genre, tu sais, genre j'ai pas pu m'empêcher de me dire, mais je suis vraiment un gros con, tu vois. C'est quand même dingue. Enfin bref, c'était ouais, t'as compris que de toute façon c'était l'intention de rire plus que de creuser un truc. Qu'est-ce que je voulais dire Origin Lion, comment ça va? Origin Lion. Je suis un tel en argot et je fais un podcast avec Yop. Yop et un bigot. Bien wesh. Ah, c'est beau. Non, mais franchement, t'inquiète. Original, aucun souci. Comment vous vous portez en ce mardi un gros soutien à Presque Vico qui vit un moment difficile, donc on est là, hein. T'inquiète, les Adados, on soutient. Si t'as des coups de mou, si t'as quoi que ce soit, t'hésites pas. Et si t'as besoin de parler, tu nous dis, les MP, tout ça. Et même, je dirais, je pense à ça, le I'm not OK sur le Discord, qui est le chat ultra bienveillant. Et franchement, n'hésite pas, quoi. N'hésite pas parce que les Adados, on le dit, c'est la meilleure commu du monde. Hein. Donc franchement, l'idée, c'est pas d'en abuser, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. J'ai déjà mis Timo. Ok, c'est parfait, trop bien. Bah écoute, ouais, franchement, ça peut aider aussi de... Bah, on ressent pas ce que tu ressens, mais ça peut aider aussi à le vivre à plusieurs, tu vois, ou à décharger un peu l'émotion qui va avec, quoi. Et puis voilà! La commu trop bienveillante, mais t'as vu ça, c'est trop kiffant, hein. Franchement. Un truc que je raconte souvent sur les Adados, mais... Ça m'avait trop perturbé. Ah, j'ai vu Xalinette. J'ai vu l'histoire de la lacrymo. Putain. Mais cette blague, quoi, sans déconner. Non. Attends, j'ai baissé le son, là. Ouais, qu'est-ce que je voulais dire? C'était le... Ouais, un truc que je kiffe trop, tu sais, c'est les gens qui viennent le matin sur Discord dire bonjour. En vrai, c'est fou. Si on y réfléchit, c'est fou. Tu sais, c'est comme quand tu te lèves, tu dis bonjour aux gens qui habitent sous ton toit, ou t'arrives au boulot, ou je sais pas où, et tu dis bonjour à tout le monde. Et là, c'est intégré dans la routine, quoi. On fait partie d'un tout, quoi. Alors qu'à la base, c'est juste on aime les histoires d'horreur, et on est resté des enfants pour ça, quoi. Mais en vrai, c'est trop kiffant. C'est trop kiffant, ce détail. Après, avec tout ce qu'il y a en plus sur le Discord, tu vois, toutes les discussions, tous les sujets, mais... on en avait parlé, en plus, avec Xalinette en interview, là. C'est l'aspect... Au départ, on se rejoint sur un Discord d'horreur. En fait, ça parle pas du tout de ça, quoi. Enfin, à part des fois des films, mais en vrai... on parle de tout, sauf d'horreur, quoi.
Et c'est trop bien, c'est trop bien. Je suis beaucoup trop fan de... des Adados, quoi. C'est trop bien. Je suis trop en kiff de la commu qu'on a, qui nous suit, quoi. C'est trop kiffant. C'est trop bien. On a reçu un truc... Non, mais... Je pense qu'on le diffusera dans un épisode. Vous savez, on a mis un numéro de téléphone dans les descriptions des épisodes pour qu'on puisse nous appeler. Et en fait, ça tombe sur... tiens, ça tombe là-dessus, là, sur ce téléphone-là. Qui est tout le temps éteint quasiment et qui me sert pour faire les lives Lego là. C'est avec celui-là que je filmais les... Donc personne ne le savait, parce que si vous appeliez pendant un live Lego, ça coupait la cam de la construction des Lego. Et bonsoir Merline, comment ça va? Je l'avais dit dans l'interview, ça avait été coupé au montage. Ah merde, mais je disais que je me suis rarement senti aussi bien dans une commune. Bah franchement, ça fait plaisir, hein. C'est trop kiffant, hein, l'ambiance. Trop kiffant. Et ouais, en gros, on a mis un numéro de téléphone où les gens peuvent nous appeler et nous laisser des messages sur le répondeur. Et il y a un Adados qui nous a appelé. Le gars est en bagnole, tu vois, il appelle le répondeur et il fait sa meilleure vie, quoi. Il est trop en kiff. Et il fait, comme il nous dit, il fait partie de la majorité silencieuse. C'est ceux qui écoutent nos épisodes dès que ça sort. Mais qui met pas un like, pas un truc, tu vois, et il y en a plein, en fait, c'est normal, tu vois, on fait pas tous l'effort d'aller, machin, soutenir, mettre une étoile, ou je sais pas où, partout, quoi. Et, tu sais, on est un peu sur les réseaux, quand même si on n'est pas trop au taquet, on est sur Instagram, partout, il y a des petits trucs qui sortent, mais t'as une grosse majorité des Adados qui écoutent le podcast, et qui clairement, réagissent pas du tout, et ça, c'est normal. Et en fait, il a pris le temps de nous envoyer un message sur le répondeur. Et vraiment, c'était trop bien. Ce gars-là, franchement, faut qu'on l'appelle un jour pendant un enregistrement. Juste pour le faire kiffer, quoi. Il mérite, tu vois. C'est trop bien. Enfin, tout le monde mérite, en vrai, mais... Je sais pas, ça donne trop envie de lui faire la surprise et de voir sa réaction, quoi. Comment ça va, Merline? Bien remise? Ça fait 2 semaines quand même maintenant. Putain, les photos. Oh là là. Les photos de Podren. Est-ce qu'on peut parler des photos de Podren? Ouais, mais oui, bien sûr. Il y a toujours une majorité silencieuse. Ouais, c'est normal. C'est normal. Oh putain, presque Vico. Je suis Yop et un animal de grande envergure qui s'est pris une météorite sur la gueule comme mon épaule. Oh putain, bichette. Yop et un dino. Ah, bordel de merde. Oh putain, GG à toi. J'ai mis la photo de la Team 3 Minute Challenge en BP Twitter, elle est trop cool la photo. Par contre, est-ce qu'on peut en parler des photos? Genre, elles nous mettent pas en valeur, je trouve. Enfin, je dis pas que je suis genre BG, mais putain, je me trouve dégueulasse sur les photos. Et genre, il y a des gens, je connais leur tête en vrai, sur les photos, limite, je les reconnais pas. Je sais pas, comme s'il y avait un filtre. Comme s'il y avait un filtre chelou sur les photos. Et genre, en fait, on était chum. Est-ce que t'as ressenti ça, Merline, en regardant les gens? Genre, pas forcément que soi, tu sais, mais en regardant les gens que tu connais, tu vois. Nous, tu nous as vus plusieurs fois. Et sur les photos, on a pas la même gueule qu'en vrai. Comme si sa focale, elle était pas bonne et que du coup, ça nous élargit ou ça nous rétrécit la tête. Arrête. Original, je dis vraiment pas ça pour ça. Attends, vous voulez que... Oh putain, Dan qui arrive. Et Dan, mais oui. Non, mais bonsoir, Dan, comment tu vas? Comment ça va, mon Dan? Sans déconner, est-ce que t'as regardé les photos de Podren? T'as ressenti ça ou pas? Qu'on avait une tête trop chelou? Franchement, moi, je trouve les têtes trop cheloues sur le rendu des photos. Parce que putain, on a fait des photos avec nos téléphones, on avait notre tête comme en vrai. Et là, sur les photos de Podren, j'ai... Tu sais, comme s'il y avait un décalage. Ah, mais oui, mais il a galéré, tu m'étonnes. Les gens bougent tout le temps, on pose pas, il est en mode reportage. C'est pas le truc le plus simple, en vrai. Hein. Ça va, sur scène, il y a des gens posés, donc je pense que c'était mieux. Dan ressemble à un acteur de film, mais en fait, il ressemble à un réalisateur de film, Dan. Il a une casquette et une barbe grisonnante. Et ça, c'est typique des réalisateurs de film. Et il s'habille en noir.
Je vais vous laisser les copines, je vais aller pleurer avec un verre de blanc approprié à la situation. Bichette, tu ne... Presque Vico, si je peux te donner un ordre, je me permets, ne t'isole surtout pas, ok? Fais appel aux gens, on est là, hein. T'inquiète. Hein. Et profite. T'as droit clairement d'abuser. Il faut marquer le coup. Hein. Merde alors. À un moment donné. Hein. Je valide réalisateur. Mais ouais, franchement, Dan, quand est-ce que... D'ailleurs, je crois que tu bosses sur un film actuellement. Tu veux nous en parler? Autant que d'hab, donc des têtes de tarés qui écoutent des histoires cheloues. Ouais, c'est un peu un bon résumé. Les photos que j'ai mis sur Discord, ça allait, je trouvais, j'allais pas mettre des photos où vous étiez pas en valeur. Ouais, ouais. Je suis avec mon mec, il ne m'a pas encore... Il m'a encore pas passé par la fenêtre. Ça va alors. Moi, bon, c'est cool, si t'es pas toute seule, c'est cool. Je suis content. Bon bah tant mieux alors. Ouais, franchement, fais pas la con. On est là, ok? Soutien. Plus tard, presque, Vico, profite bien. Transformer 24. Excellent, ça. C'est avec... c'est quoi? C'est le retour de Bumblebee? Est-ce que la musique du film, ce sera What Does Megan Fox Says? Pas ouf. De toute façon, je l'ai vraiment mal amené. Mais tant pis. Le retour de... Trop long, ouais, bah ouais. Le retour de... De la sente... Quoi? Attends. De la sentence, le final de Bumblebee. J'avoue, un peu long. Le retour de la sentence, le final de Bumblebee. Origins. alors, ce soir, au programme, à la base, je m'étais dit, vas-y, on fait de la guitare, vas-y, on chante et tout, ça fait longtemps. Sauf que, sur iOS, il y a un jeu vidéo qui est sorti, et du coup, j'ai vu qu'il était sur console. Ça s'appelle Lego Brick Tales, et c'est un jeu de Lego qui est très bien noté, qui a eu des prix, et qui apparemment reprend... L'esprit des Lego. Donc apparemment, il y a des trucs de construction, des scènes un peu de construction de Lego. Et j'ai trop envie de tester là. Je suis complètement dans ma folie Lego. Mon objectif, tout plaquer pour devenir influenceur Lego. Hein. Trop lent, bah on va voir justement. On va tester ensemble si c'est de la merde, on fera autre chose. Hein. Genre Minecraft, bon, on va voir. Tout le monde y a joué là, vous connaissez déjà le jeu. Parce que je crois qu'il est sorti il y a un petit moment quand même. Hein. C'est moi qui découvre des jeux après tout le monde, t'es... Il y a des artistes Lego, ouais, je sais, putain... C'est terrible. Ah non, il est sorti en 2022. Ok, ça va, il est récent. Tant que c'est pas le Puy du Fou qui l'a créé, putain, j'avoue, mais c'était épique le jeu du Puy du Fou. Hein. Ah bah épique, tiens, voilà. Dan, il va encore dire que c'est une coïncidence. Je l'ai chopé sur Epic gratos. Elle est pour toi, celle-là, Dan. C'est cadeau. Je sais que tu es friand de ces choses-là. Si Presque Vico revient en disant « Ce soir, je mange des friands », franchement, je chie sur la moquette. Hein. Bon, allez, on va démarrer la console déjà, pour commencer. Ok. Coïncidence ? Je ne crois pas. Ah, ça marche pas du tout. Ah oui. Allez, démarre. Démarre, petite console. Tout est dans tout. Tout est... quoi? Comment? Oui. Tout est fractal. Ah bah oui, mais oui, mais oui, mais bien sûr. Bon allez, c'est parti là. Je ne comprends plus là. Ouais, tout est fractal, mais en gros, mais c'est il y a de la redondance constante d'informations. Tout se croise. Oh putain, il y a des Legos qui s'emboîtent.
Est-ce que c'est Twitch Friendly, ça, les Lego qui s'emboîtent? Lui est dans lui, elle est dans elle. Et non pas l'inverse, calmez-vous. Bon, alors les options. Toujours vérifier les options. Ok, j'ai pas de clavier, souris non plus. Encore un jeu bien fait. Allez, soit, y a pas d'option. Très bien, ça me va. C'est bien le son ou c'est pas très fort? On va mettre un... Tout est dans tout, des Lego qui s'emboîtent. Oui, cette discussion n'a vraiment aucun sens, on est d'accord. Où allons-nous? Oh putain, j'ai Dora l'exploratrice dans ma tête là, vraiment je... Bonsoir, c'est Creepy. Comment tu vas? Ah, il y a eu un bug de réseau là? Non, je sais pas. Chelou. Dans l'infini au-delà. Comment tu vas, Vanille? Dès que ça part en C. Ouais, oui, bah oui, oui, évidemment. Évidemment, évidemment. Ça va super. Ça va au top. Bon, bah, c'est parti, hein, découvrons Lego Brick Tales. Hein. Oh! Le courrier. Vous avez reçu une lettre, un trésor rarissime. Qu'est-ce qu'elle dit? Cher de ma chère, j'espère que cette lettre te trouvera en bonne santé. Ah, c'est une lettre de papy. J'ai fait une grande... Oui, bah c'est papy, quoi. Une grande découverte que j'aimerais te montrer. Oui, c'est un peu le père Fouras, hein. Et puis un coup de main ne fait jamais de mal. Putain, ça recommence. Cette découverte a un potentiel incroyable. Incroyable. Et comment le potentiel? Lorsque tu arriveras au parc d'attractions, prends l'ascenseur pour descendre dans le laboratoire. Je t'y attendrai. Pourquoi il a une tache de ketchup sur son t-shirt, lui? Il est dégueulasse. Papy Digo est dans la place. Mais il est crado, mon perso, là. Oh putain, c'est trop bien fait! J'ai l'impression d'être dans des Lego! Bon, c'est un peu le but du jeu, mais putain, c'est trop kiffant! Je peux sauter? Non. Ok. Pour l'instant, je peux juste me déplacer. C'est un cuisinier? Oui, a priori, ouais. Effectivement. Il va faire des recettes. Oh là là! Oh là, il y a une fusée! Il y a une fusée! Tout ce qui compte, c'est les fusées. Hein. Bon, alors, on a dit, quand tu arrives dans le parc d'attractions, prends l'ascenseur. Bon, ça doit être ça, hein, j'imagine. Entrée, voilà. Ok. On va trouver Papy, là. C'est Papy ! Le film Lego est trop bien, je l'ai raté il y a plein de temps. Il est génial. Qui est là ? C'est toi, mon enfant ? Merveilleux, tu as fait vite ! Ce que je vais te montrer est absolument incroyable. Ça va faire trembler le monde de la science. Oh ! Ah bah super ! Oh, le marteau ! Et il est complètement marteau, ce papy, ou quoi? Lol. Ah bah super, papy, là. Oh, c'était peut-être un peu trop littéral. Tu vas bien? Ça va. Alors, j'étais en train de brancher mon invention, et... Ce que tu viens de voir, c'est ce qu'on appelle, dans notre jargon, un désassemblage d'urgence. H&M, petite pub. Pour utiliser des termes plus simples, trop de puissance, ça fait boum. Alors là, vraiment, c'est des termes très simples. Vraiment, c'est très très simple. Très très simple. Donc en plus d'être coincé ici, j'ai fait sauter l'électricité dans tout le quartier. Bravo, papy. C'est manif ou quoi? On fait brûler des bagnoles? Nous devrons relancer le générateur principal, mais en attendant, peux-tu démarrer le générateur de secours? La vulgarisation de fou, là, mais tellement. Générateur de secours. Tu le vois? Sois un amour et allume-le pour ton grand-père préféré. Oh, ils me prennent par les sentiments, putain. Oh putain. Eh bien, soit, on va redémarrer le générateur de secours. Interagir. J'aurais dû le remplacer il y a des années, il parle de moi là. Ces fils passent leur temps à se débrancher. Allez, tire le levier. Oh là là. Oh! Oh, c'est incroyable. Oh! Oh! Oh, oh, oh. Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un robot?
Il s'appelle Rusty. Oh bah Rusty, elle est plein de rouille. Super. Waouh, ouf. Attends, il me faut une voix de robot là. Et attends, on va faire les voix. Nouvelle piste, c'est parti. Ah oh, merci Merlin, c'est adorable. Alors je suis dégoûté. Ma roadcaster, je l'ai renvoyée. Et du coup, il va falloir que je recommence. mon paramétrage. Elle a fait un problème. Du coup, là, je vais me faire les voix avec GarageBand à l'arrache. Mais on va y arriver. Hein. Il n'y a pas de raison. Alors, comment on va faire ça? Une voix de robot. Attention. Ça marche absolument pas. Ça... Ouais, on va faire 100, hein. On va faire 100. Sorry, je suis en train d'installer un mitigeur en même temps. Ah ouais, putain, ok. Et il est bien ou pas? Ou t'es un peu mitigé? Fatigué, putain. Alors, je suis un duo de podcasteurs horrifiques constitués d'un lait aromatisé et d'un mollusque. Qui sommes-nous? Je suis mitigé, effectivement. Yop et un... Putain, un mollusque. Un mollusque. Yop. Et un... Putain, un mollusque, là. Un bigorneau. Oh, mais oui, mais forcément. Yop et un bigorneau. Oh, ça fait beaucoup de syllabes à placer. Bien wesh. Bien wesh, Dan. Yop et un couteau, ça marche aussi, hein. Attends, si je fais ça, ça bug ou pas? Ah ouais, ça bug de ouf. Oh, la vache. J'ai tenté, non mais t'as bien fait, t'as bien fait. C'est validé. Merlin, t'es où? Là, voilà. Allez hop. C'est remboursé, hein. Je l'ai pas trouvé, je te le rembourse. Hein. C'est la règle. C'est la règle. Putain, je suis deg. Je suis deg. Ouais, je suis de retour, les interférences électromagnétiques ont dû me ramener dans cette dimension. Bonjour, je... Non... Putain, non, c'est un nom de merde. Rusty, je suis Rusty. En quoi puis-je vous être utile? Pardon? Mais non, je ne suis pas un génie et je n'exauce pas les vœux. Votre grand-père m'a donné la vie il y a des années. On va lancer un pack d'extension avec ce jeu, avec Kerr. Kerr Rusty. Ah non, tu parles de Kerr Yop Indigo? Ou Kerr Lego Brick Tales? Il m'a surnommé Rusty, mais en flottant dans l'espace, je me suis fait des tas d'amis. Ils ont décidé de m'appeler... fais chier, quoi. Avec ce... je sais pas quoi. Vous n'avez pas les modules de synthèse nécessaires pour le prononcer. Dans votre bouche, ça ressemblerait à... Glourdibleflible. Oh non. Glourdibleflible. Chier. Mais vous pouvez m'appeler Rusty, merci. Ça, c'est adorable. Rusty, c'est toi? Je pensais ne plus jamais te revoir. Oui, j'ai longtemps erré après avoir été propulsé dans l'espace, mais j'ai vu des choses extraordinaires et me voici de retour. C'est curieux, mais la lumière est revenue. Tu sembles avoir un talent pour les énigmes. Tu pourrais faire partie de ma famille. Les phrases n'ont absolument aucun fucking sens. Haha, mais oui, tu fais partie de ma famille, en fait. Nous sommes rusés comme des renards. C'est nul à chier. Votre grand-père semble coincé. Allons l'aider. Ok. Putain. Rien n'a de sens dans les dialogues. Mais vraiment, mais rien. Nous devons atteindre cette plateforme en prenant de la hauteur. Ok, bah soit. Oh, vous ne pouvez pas voler, vous? C'est bien embêtant. Attendez, c'est l'occasion parfaite pour vous montrer ce que je suis capable de faire. Je vais vous apprendre le pouvoir de la construction. Nous allons commencer par des escaliers. Ah ouais, allez, montre-moi des escaliers. Apprendre. Allez, c'est parti. Apprenons à construire. Cliquez sur une brique pour la sélectionner. Attends, alors par contre là, c'est...
Attends, c'est quoi ce jeu là? Mais non. C'est mieux en vrai. Non mais c'est surtout que genre... Je fais comment? Je fais comment avec la souris? Ils sont sérieux? Déplacer au bas. C'est un mode d'emploi virtuel. Ouais, sauf que là, le truc, c'est que... Non mais attends, par contre, parce que là, si les... commandes... Non mais là, on est dans la merde, là. Attends, on est dans la merde. Ok, j'ai cliqué sur une brique, là, très bien. Je peux pas déplacer cette putain de brique. Je peux pas jouer avec la manette. Attends, c'est pas possible. Attends. Moi, je veux pas de... Ouais, ta gueule. Ah, désolé, hein. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? En fait, il me propose d'utiliser et la manette, et... sauf qu'avec le clavier, je peux pas... Ah si, je peux me déplacer. Ouais, mais attends... Mais c'est quoi cette merde? Et bonsoir Arthur! Où est Charlie? Comment ça va? Non attends, le problème, c'est que là je suis au clavier et la souris et la manette. Ça n'a aucun putain de sens. Oh! Parce que là, la souris, c'est pas du tout détecté. Hein. Non, mais moi, je veux pas de ça. Hein. Attends. Commande. Bonsoir, Praxus. Mais tu peux pas cliquer avec la souris sur la brique et la déplacer. Non, je peux pas. J'y arrive pas. Je clique, mais ça fait rien. C'est un truc de fou. Ça a aucun sens. Ça a aucun sens. Oh putain. Se déplacer, clique pour pivoter le curseur, maintenir pour déplacer vers le curseur. Mais c'est quoi ce début de catastrophe? Mais clairement, Merline, c'est une catastrophe. Interagir, vas-y, on va essayer ça, là.
Mais c'est un truc de malade. Il veut pas. Il veut absolument pas prendre en compte ma souris. Le clavier, c'est bon, mais pas la souris. Le problème, c'est que... Non, parce que je suis en mode construction, c'est pas vraiment... Ça n'a aucun sens. Ouais, mais pas qu'on s'en branle, les gars, là, vraiment. C'est Pierre-Richard, je suis pas triste, c'est... ça a aucun putain de sens. Ah bon, alors attendez. Là, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Comment je peux désactiver ces putains de... Ça me rend fou, ok. Ça me rend fou. Accessoire, ok. Clavier, c'est non. Paramètres du clavier. Comment je peux désactiver ça là? Sérieux? Type, non mais moi je veux juste désactiver quoi. Général, accessoire Bluetooth. J'en veux plus de ce jeu. Pourquoi? 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 Dites-moi qu'il y a de mise à jour. Non, il n'y a pas. Ok. Alors, comment je peux faire? Ils sont toujours pleins de zombies. Non mais putain, c'est un truc de malade. Tu es sur PC ou PS5? Je suis sur PS5 là. Sauf que je suis en connexion à distance. Donc je suis relié... Je suis relié à... Putain, j'ai l'impression d'être... Ouais, J'en peux plus. Je suis en connexion à distance sur ma PS5. Ce qui fait que je suis connecté sur mon ordi à ma PS5. Donc, en fait, il force l'utilisation de mon clavier et de ma souris. Et je pense que le jeu s'en rend compte... Et que je ne parviens pas à revenir en arrière, quoi. Mais je pense que... Alors, attends. Ce qu'on va faire, on va quitter le jeu, ok? Ouais, alors toi, tu te calmes, en fait. Voilà. Alors, ma PS5, elle est juste à côté de moi. Le truc, c'est que j'ai pas de carte d'acquisition, donc je peux pas récupérer l'image de la PS5 sur l'ordi. Oh non! Non! Putain, sans déconner, là. On peut pas jouer, hein. On peut pas jouer. J'ai envie de crever, ok? Ça m'énerve. Ça m'a énervé. Ça s'entend ou pas que ça m'a énervé? Putain. Bon, alors. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut admirer juste... Franchement, là, je peux rien faire. Faut que je stream depuis la console. C'est trop chelou. C'est trop bizarre. Du coup, je peux quasiment rien faire. Alors. Sinon, il existe peut-être une solution. Alors, pas pour jouer à ce jeu, je pense qu'il faudra que je joue autrement.
putain. Non, mais vraiment, là, je suis dégoûté, sans déconner. Va falloir que je teste sur la console pour voir si c'est le fait que je sois à distance qui pose problème. Et si c'est ça, dans ces cas-là, bah... dans ces cas-là, pas de problème. J'essaierai de faire différemment. Mais on va essayer, hein, on va essayer. Ça me fait chier qu'il me force. Hein. Je filme l'écran de ta TV. Oh putain! Oh, ce serait atroce! T'imagines? Non, parce que maintenant, vous connaissez le secret de mon double écran. Pas de mon double écran, mais de ma double cam. Vous savez comment faire bugger ma double cam? Donc, va falloir que je trouve une option B maintenant. Dans ton complexe home cinéma. J'avoue, ça m'a traversé l'esprit, là, tu vois. Mais voilà, ben voilà, voilà. Putain. Alors, si on joue pas à ça, on peut quand même arriver à relancer un bon jeu vieux PS1 dégueulasse. Je pense que ça, il y a moyen. Normalement, il y a moyen. Ça me fait chier niquer le stream. Je comprends. Et à la fois, musique 2000, trop long. En vrai, trop long trop long à reprendre en main, en fait. C'est ça le truc qui m'emmerde. Mais par contre, qu'est-ce qu'on pourrait se faire? Il y a quoi comme jeu PS1 un peu cool à l'ancienne, là? Une découverte live d'un Doom 4000 pas sorti. Non, c'est ça le truc. Parce que là, genre, ce serait pas... Ouais. Oh, le qui veut gagner des millions, ce serait trop bien. Vas-y, on va regarder s'il y est. Ah non, mais ça marchera mieux, c'est certain. Hein. Xavier, c'est certain. Hein. C'est ça qui est terrible, en vrai. Attends, je suis sur qui veut gagner des millions. Franchement, s'il y a moyen, ça serait génial. Ah oh, putain, c'est une version Game Boy Advance. Oh, bah vas-y, je prends. Ça va être encore plus dégueu. Je prends direct. Alors attends. Oh, attends, le son là, il était parti, on est d'accord hein. Ok, alors il y a que moi qui l'entendais, je crois, mais on va se le mettre. Ok, on va se le mettre. Déjà, on va se mettre sur une scène qui mérite clairement. Est-ce que ça va marcher? C'est pas sûr. Hein. Ah oui,
Oh, c'est magnifique. Le système fonctionne. Ensuite, excusez-moi, hein, je paramètre en même temps. Pas de problème. Hein. Vous connaissez, hein. On fait tout à l'arrache sur les streams. Hein. Clac. Ouais, je sais, je sais. Alors. Oui, bon, on est sur un émulateur, hein, vous l'avez. Hein. Alors, et bonsoir Valentine, comment tu vas? Ça va être ça. Jean-Pierre en pixel art, j'ai trop hâte, ok. Bon alors attends, c'est parti, attention. J'ai pas de son. Ah oui si, vous avez du son normalement vous. Attends, j'ai pas le retour. Voilà, c'est bon. Oh putain, c'est fort. Désolé. Putain, ça marche direct. J'en peux plus de la vie. C'est quand même un truc de dingue. Hein. Contrôle PlayStation. Hein, Oh, le son est incroyable. Ah mon dieu. Ok. Bon, je vais renommer le. Je vais renommer le. Je vais renommer le stream. Parce que putain, j'en peux plus. Mardi Gaming, qui veut gagner des millions? Voilà, allez hop, c'est parti. La catégorie, on va se mettre en just chatting, hein, à un moment donné, fait chier. Voilà, hop là, c'est bon, le jeu peut reprendre, c'est parti. Le son et l'image, c'est assez mythique, mais tellement. C'est dégueulasse. 5, 4... 3, 2, 1, et c'est parti. C'est parti quoi. Vous n'êtes pas prêts. Putain, désolé, je vous ai balancé un générique. Plus rien n'a de sens, j'en ai marre. J'en peux plus de ce stream. Rien ne marche comme il faut. C'est terrible. Bon allez, hop. On va se remettre dessus. Hein. C'est parti. Ah, je viens d'appuyer sur une touche, les gars. Voilà, c'est bon. Par contre... moi, je veux des contrôles PlayStation. C'est jouable ou pas, les gars, là? Ok, a priori, c'est bon. Putain, même ça, ça marche pas. Mais on veut ma mort ou quoi, là? Ok, j'ai une idée. Attendez. J'ai une idée. Non mais ça me bute, hein. C'est terrible. Je vais brancher une main de PS4. Voilà. Et au pire des cas, il y a une main de PS3 juste à côté. Alors. PS4. C'est parti. Apparemment, PS5, c'est trop avancé pour ce genre de truc, alors c'est pas grave, hein. Ok, c'est bon. Ça y est. Ça fonctionne. Le système fonctionne.
mon dieu. Ah, oh, putain. Attends, ça démarre direct, là? Je suis pas prêt, moi. Putain, mais même le cadrage est à chier. Ouais, je vous fais un truc propre ou je vous fais pas un truc, là, à un moment donné. Hein. Il est où? Il est où, là, mon écran, là? Voilà. Hop. La musique, elle est épique. Hein. Vous voyez bien ou pas? Rappelle le prix d'une PS5. Ouais, je sais. Ok. Alors, vous êtes prêts? Ouais, vous voyez bien, ok, c'est parfait. Sinon, à tout moment, on change de scène, hein, mais ça, ça me fait trop rire. Enfin, même la cam, elle est à chier. Non, mais attendez, c'est quand même un truc de fou. Tout est mal branlé ici, là. Ça va pas du tout. Hein. Ça va pas du tout. Voilà. Hop. Allez. J'ai zéro effort de fait sur cette scène. C'est quand même dingue. Ah oui, d'accord. Ah, j'avais mal taillé mon truc, putain, c'est terrible. Ok, voilà, comme ça. Là, c'est bien, là. Voilà, c'est parfait. On touche plus à rien. Non, même pas. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Voilà, là, on y est, là. Allez, on touche plus à rien. C'est parti. Indigo a perdu des pièces du Lego, du coup on a essayé de gagner des millions. C'est un très bon résumé, Praxus. Je valide totalement. On voit bien. Renommé en stream de la loose au pire. Ouais, je valide. Je valide. Et tu laisses tout en mode cheap. Non, franchement, je valide le stream de la loose. Allez hop, c'est parti. Stream de la loose. Comment tu vas, Tractolu? Bonsoir. On est sur le stream de la loose. Mardi Gaming. Le stream de la loose, c'est validé. Hein. Voilà. Hop. Allez. Et c'est reparti. Alors, Tractolu, résumé du stream. J'ai voulu lancer un jeu sur PS5, sauf que le jeu... Il détecte ma manette, mais il détecte aussi mon clavier, et je ne peux pas jouer au jeu à cause de ça. Donc c'est une catastrophe. Hein. Donc j'ai lancé un jeu qui veut gagner des millions sur Nintendo DS. Sur conseil d'Arthur Froment. Et on va s'y mettre là. Allez, c'est parti. Première question. Le ciré est un vêtement le plus souvent porté par les alpinistes, parachutistes, marins... ou cosmonaute. Bon, on est sur des marins. Hein. Clairement, vous l'avez dit dans le chat, Merline, c'est validé, marin. Êtes-vous certain, certaine? Oui. Et c'est 200 balles dans la poche. Et la manette ne marchait pas au début, j'ai dû changer. Ouais. Heureusement que j'ai des manettes de PlayStation. Hein. Putain, la misère. Comment appelle-t-on un carrefour circulaire où aboutissent plusieurs routes? Un rond-point? Un point-virgule? Un tour opérateur? Mais la manette marche plus, putain. Je sais, c'est le câble qui déconne. J'en veux plus. C'est bon. Un tour opérateur, un cercle vicieux. Oh, c'est bien. Oh, je pars quelques minutes à la douche, mais évidemment, je l'air que ça marche. Pas de soucis, bon l'urk. Bonne douche, surtout. Bon, on part sur un rond-point, hein, clairement. Merci Merline, la bonne réponse. Le mardi de la loose comprend mieux, mais clairement. Allez, on est sur un rond-point. C'est oui. Et 300 balles, c'est validé, 300 balles. T'as 300, c'est stylé. Hein. Alors, c'est creepy, Vanille, on a changé de jeu. Si tu ne comprends rien à ce stream, c'est normal. Rien n'a de sens, vraiment. On dit d'un article de luxe que c'est un produit en croche, haut de gamme,
a cappella ou clé de sol? Putain. Ah, c'est mauvais. Merline qui est premier dog de ouf. Hein. Franchement, tu joues pour tout le monde là. Le chat, je compte sur vous. Hein. On est confiant. Êtes-vous confiant? C'est même pas êtes-vous certain, c'est êtes-vous confiant. Je suis plutôt confiant sur haut de gamme. Ah, c'est validé, 500 balles. Oh, les claps en midi là. Oh là là, c'est dégueulasse. 500 balles. Mourir à la guerre se dit aussi tomber au champ libre, au champ d'honneur, au champ de foire ou au champ de course. Putain, c'est mais quelle tristesse. Au champ d'honneur, merci Xalinette. C'est validé. Êtes-vous sûr? Oui. Bon allez, oui, il n'y a que des B. Hein. Le jeu va être facile hein, si c'est B partout. Aux Champs-Élysées. En France, en 2001, le passage à l'heure d'été s'est fait au mois de juin, de mai, de mars ou de février. Mois de mars. Passage à l'heure d'été, mois de mars. Mars, non. Quoi? Au mois de juin? Ah, ce volet GBA est fabuleux. Un jeu mobile de qualité HD pour l'époque. Mais tellement! Comme cette année. Putain, je suis pas bon. Ah oui, passage à l'heure d'été. Mais oui, je suis con. Elle était bonne, ta petite... Énorme frite, vanille. Bon, bah, juin, hein. Ouais, vous êtes deux à dire juin. C'est validé. Deux à dire juin. Ah, putain. Et bonsoir, Calista, comment ça va? Calista, on est sur le stream de la loose. Rien ne va. Ça va pas du tout. Oh là là, puis après, il y a... Oh non, mais non, mais non, mais non, mais plus jamais. Ouais, le mois de juin. Et mars, vraiment? Attendez. On va déjà faire un vote, là? Déjà, faut que je fasse un truc. Parce que là, ça va pas du tout. Si je fais ça, il se passe quoi? Il se passe que dalle. Là, c'est mieux. Par contre, c'est gigantesque. Donc là, vous voyez absolument plus rien au jeu. Voilà. Bon, là, on est bien. Ok. Franchement, balai qu'on étire l'image. À ce stade, je suis plus assez prêt. Ok, alors. Sondage dans le chat. Nouveau sondage, c'est parti. Réponse. A, B, C ou D. Deux minutes de vote, c'est parti. Bon, une minute de vote. Attention, actualisez dans le chat. Sondage en cours. À vous de voter. Tu changes d'heure en mars pour passer à l'heure d'été. Ça n'existe pas à l'heure du printemps et de l'automne. Oula, mon cerveau a fait des mix entre putain et punaise. Mars. Moi, j'aurais dit mars d'emblée, mais en vrai, je sais pas. Putain, pour l'instant, on est sur du C. On est sur du mars. Je pense mars pour le passage à l'heure d'été, mais après l'été c'est en juin. La réflexion est bonne. On est déjà sur la question à 1500 balles. Hein. Faut pas paniquer les gens. J'ai 5 votes pour 5 votes pour mars. J'aurais tendance à vous demander. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui. On panique pas, c'est mars. On a changé d'heure il y a pas longtemps, ça change pas d'une année à l'autre. Si, non, je pense pas. En vrai, non. Je pense que le 2001, c'est un piège. Mais que... Donc, on reste sur mars. DM? C'est mon dernier mot, ok, dernier mot.
Eh bien, écoutez, on valide Mars. Êtes-vous sûr de vouloir jouer? Mais oui, mais clairement, c'est... Mais oui, on est sûr de vouloir jouer. Allez, on valide Mars. Allez! C'est oui! Merci le chat! Putain, vous êtes des boss. 1500 balles, quand même. Hein. C'est pas rien. Oh là là, 3D, la 3D... La 3D de folie! Non, mais clair, mais ça mérite d'être à fond, hein, je pense. Ah, oh, j'ai rien vu sur le panel. On a, ah, on a eu le premier palier, là, je crois. Alors, situé... Alors, question pour Dan. Situé dans la région parisienne, la Grande Arche se trouve à la Villette, Bercy, la Défense, Beaubourg. Bon, la Défense, la Grande Arche de la Défense. Attendez, bah oui. Alors, mais là, il y a zéro... bah oui, il y a zéro suspense, là. Voilà. Bon, allez, la Défense, c'est validé du cul. Êtes-vous sûr? Bien sûr que yes. Ouais, la Grande Arche de la Défense. Allez, c'est validé! J'ai perdu ma manette. J'ai plus de manette. C'est bon, j'ai à nouveau une manette. C'est le stream de la galère. Eh, allez. Allez, question 7. Question 7 pour 6000 balles. Dans Les Incorruptibles, Elliot Ness lutte contre le gangster Vito Corleone, Al Capone, Clyde Barrow, Jimmy Hoffa. Alors déjà, Vito Corleone, je ne pense pas. Étant donné que... bah, Clyde Barrow, c'est Bonnie and Clyde, c'est non. Al Capone, possible. Effectivement. Mais concentrez-vous, putain. Et on révise comme pour l'épreuve du bac blanc. Exactement. Al Capone, j'aime bien. Pas mon domaine, ouais, présent dans la série et le film. Ah putain, ok, vous êtes des experts là. Bon bah B, je vous fais totalement confiance, Dan et Arthur, là, sur ce genre de questions. Hein. B comme les autres, bah Vanille, si t'as dit B, franchement. Redis la question, c'est tout flou, c'est vrai? Non. Gère le... Ah oui, t'es peut-être pas en bonne qualité de stream, éventuellement. Dans Les Incorruptibles, Elliot Ness lutte contre le gangster Vito Corleone, Al Capone, Clyde Barrow ou Jimmy Hoffa. Al Capone. Bon, j'ai du Al Capone, j'ai du Al Capone. On valide pour Al Capone. C'est votre dernier mot? Oui, oui, c'est mon dernier mot. Après, c'est le seul nom que je connais, Al Capone. Clyde Barrow, c'est Bonnie and Clyde. Tu vois, t'as entendu parler de Bonnie and Clyde. Corleone, c'est... attends, je vais pas dire une connerie, mais c'est dans Le Parrain. Vito Corleone. Et Jimmy Hoffa, j'en ai aucune idée. Je sais pas qui c'est. Bon, allez, on valide Al Capone. Allez, c'est validé du cul. 6000 balles dans la cagnotte, hein. On est bien. Effectivement, Arthur. Effectivement, c'est important de le préciser. T'as la 3D. Et ils ont même pas fait Jean-Pierre en 3D, je suis dégoûté. Hein. Allez, 6000 balles. 6000 balles dans la cagnotte. Y'a quoi, y'a quoi? Le fuselage est la partie centrale d'un bateau naufrant, je crois... que c'est la mort de Kennedy. Hoffa, je crois que c'est la mort de Kennedy. Ah ouais, ok, d'accord. Putain. C'est des questions pour les vieux. Bah, le jeu est vieux en même temps. Le fuselage est la partie centrale d'un bateau, d'un avion, d'une voiture ou d'un train? D'un avion, un avion. La résolution, c'est Nintendo DS. Hein. Je peux pas faire mieux. Qui veut gagner un boomer? Ah, c'est validé de ouf. Le qui veut gagner un boomer. Attendez, je peux peut-être... Je sais ce que je vais mettre. Voilà, on va enlever ça. Je peux peut-être faire un truc. Ça. Non. Oh là là, ça fait vieille télé de ouf. C'est encore plus flou qu'avant. Oh non, c'est encore pire. Oh, ça, c'est bien. Oh, c'est... Non, c'est illisible. Ah, oh, putain, mais c'est dégueulasse, là. Ah, là, c'est pas mal. Non, c'est dégueulasse. Putain, j'arrive pas à faire un truc lisible. Hein. Oh, c'est catastrophique, là. C'est illisible encore.
Voilà. Ah ! Désolé. En même temps, le jeu est dégueulasse, ouais, mais j'aurais pas pensé ça, tu vois, à ce point-là. Ça, c'est pas mal, en vrai. Ça, c'est lisible, on est d'accord, non ? Non, mais clairement, hein. Nettoie tes lunettes, ça ira mieux. Putain. Bon, allez. On est sur la partie centrale d'un avion, hein. La réponse B, je l'ai vue. Allez, réponse B, un avion. Êtes-vous serein ? Les questions, ils se sont tellement fait un kiff, les développeurs. Ouais, je suis serein. Je suis plutôt serein sur un avion. C'est validé. 12 000 euros, il y a quoi ? Il y a quoi ? 12 000 balles. Vous allez faire quoi ? Pour l'instant, ça va, hein, les questions. 12 000 balles, c'est quand même pas rien. Franchement. Et tu zen. Lorsqu'on dit d'une rivière qu'elle est fongeuse, cela signifie... Non, fangeuse. Cela signifie qu'elle est caillouteuse, limpide, profonde ou boueuse. Alors je dirais boueuse. Dans le sens, la fange, c'est généralement la crasse. On parle de la fange pour les gens sales ou les... C'était beau, vieux mot, hein. Ouais, D, hein. D, ouais. La boue. Allez, la fange. C'est le seul que j'ai pas vu en cours. Bon, bah voilà, la réponse D. C'est validé ? Êtes-vous sûr de vouloir jouer ? Bah, plutôt, oui. 24 000 balles. Attention, hein. Allez, c'est validé. 24 000 euros. Envoyez vos rips dans le chat, bien sûr. Putain, ce jeu est dingue. Merci Arthur pour la reco. T'as sauvé le stream. Encore une fois. C'est ton ultime bafouille. Dans la tradition juive, la créature artificielle à forme humaine est le golem, le gnome, le troll ou le satyre. Putain. Golem ? Il y a du A à fond dans le chat. Bon, ok, bon, écoutez, sans commune mesure, j'ai envie de dire, ça part en golem, hein, direct. C'est votre dernier mot, bien sûr. Bah, je vous fais totalement confiance. Et c'est validé du cul. 48 000 euros, y'a quoi ? Je suis un mouton. Putain. Fallait pas le dire. On a eu le palier à 48 000 et on n'a toujours pas utilisé un seul joker. Une créature faite debout, coïncidence, putain. Elle est mieux la faire debout qu'assis. Hein. Chez les animaux, l'Ardennais... Non, attends. L'Ardennais est une race de cheval, de chien, de taureau ou de mouton. Si c'est un mouton, je suis deg. Merlin a dit « Je suis un mouton » et juste après, une question sur le mouton. Là, ce serait une bonne coïncidence. Ah, il y a du A, il y a du B, cheval, chien. Ardennais, ça sonne cheval. Hein. Dan qui dit B. Dan, tu dis un vrai B ou tu dis B, tu penses B ? Cheval, j'ai joué à Red Dead. Franchement, l'Ardennais, ça sonne cheval. Vraiment. Hein. Ça fait stylax pour un cheval. Je suis d'accord. Arthur qui dit chien ou taureau. Alors, il y a des races de taureaux sûrement, mais rivière fangeuse, golem. Et quel rapport ? Oui, ça je l'ai, mais quel rapport avec le cheval ? Le cheval qui meurt dans la boue, comme dans l'histoire sans fin. Et fractal. Tu veux quoi de plus ? Je sais, cette scène va nous faire tous chialer, mais quand même. Artax, c'est ça ? Le cheval ? Taureau, j'avoue, on donne des noms de régions aux bovins. Oh putain ! Bon allez, sondage. Attendez. Déjà, t'es sûr de toi, doudou 4000%, c'est déjà beaucoup. Autre chose qu'il faut pas oublier. On a des jokers, ok ?
On a le 50-50, l'appel à un ami, le vote du public. Je connais la réponse juste. Putain, genre, j'ai vraiment envie de te faire confiance. Il y a du A, il y a du A dans le chat. Il y a du A dans le chat, il y a du A. J'ai envie d'y croire. Non, 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 pas de ça, pas de ça. Pas de ça, franchement, pas de Google. Hein. Franchement, on tente l'appel à un ami, mais on le... Ouais, mais non, parce qu'il faudra faire appel au jeu, mais... Ouais, non, vraiment, on triche pas. Hein. Chez les animaux, l'Ardennais est une race de cheval. Cheval, ça marche bien. Hein. Cheval de trait. Ça commence à apporter les précisions que vous allez naître, c'est très louche. Hein. Ouais, mais en même temps, si t'as joué à Red Dead, je peux comprendre. Bon. Le A. Il y a du A dans le chat. Hein. Ok, allez. Il est dans Red Dead. Êtes-vous confiant? Oui. C'est un mouille. Hein. Je vais me faire taper par Xavier. Allez, je valide cheval. Ah oui! Mais merci, Xalinette, putain, faut... Ah, franchement, on s'en remet complètement à toi, t'étais sûr à doudou 4000%. J'ai serré les fesses. Et on est à 72 000. Putain, il reste 4 questions. GG, franchement, GG, ouais, vraiment. Encore une question animale. Hein. Chez quel animal le mâle adulte est-il appelé brocard? Le sanglier, le renard, le lapin ou le chevreuil? Sanglier, ça me paraît bien. Brocard pour un sanglier? T'as pas confiance, je suis outrageusement blessé dans mon petit cœur, Michette. Enfin, chevreuil! Putain, mais il y a du D avec du point d'exclamation, Tractolu. Franchement, le point d'exclamation, il est... En plus, Tractolu, t'as mis plusieurs fois la lettre D. Du coup, ça fait beaucoup de D dans le chat. Même si c'est toujours toi. Dan, Arthur, Chevreuil, Merline. Bah écoutez, là, je... Praxus ne sait pas, Xalinette non plus. Je m'y connais en Cervidé. Ok, bah écoute, bon là, pareil, hein, je vous fais confiance. Est-ce que t'es sûr à 4000%? À doudou 4000%? Ah, mais c'est une très bonne... Attends, un chevreuil adulte... Genre ça... Un chevreuil, ça existe pas en adulte, un chevreuil adulte? Ouais, ok, bon, sur un doudou 4000%, franchement, c'est validé. C'est votre dernier mot? Ouais, ouais. Putain, allez, là! Allez! Les 100 000 euros. Et vous vous rendez compte, on a téléchargé un jeu sur Nintendo DS où, genre, les gains, c'est en euros. Hein. Ça va devenir une expression. J'espère, j'y compte bien. J'ai passé mes nuits devant Tréchat sur TF1. Mais il y a un gars qui a vécu dans la forêt avec les chevreuils. Ok, non, bah ok, très bien. Au début des années 80, la chanson, bien sûr, qui réalise Les Aventuriers de l'Arche Perdue? Ah, oh, mais vas-y, c'est facile. C'est Dan. Dan de Creepystory. Il a la même tête. Une casquette et une barbe grisonnante. C'est forcément Dan de Creepystory. Bah ouais. La A, c'est Dan. Évidemment, Indiana Jones, quoi. Les Aventuriers de l'Arche Perdue. Indiana Jones, Steven Spielberg? George Lucas, non? Non, 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 Lucas, il a... Non, non, il y avait la guerre entre Lucas et Spielberg, mais c'est Spielberg qui réalise... Putain, tu me fous le doute. Oh, tu me fous le doute, Dan. Oh non. Lucas, il a fait Star Wars, Spielberg, il a fait Indiana Jones, et c'est ce qui fait que dans les Indiana Jones, à un moment donné, il y a des hiéroglyphes avec C-3PO et R2-D2. Mais le réalisateur, c'est forcément Spielberg. Parce qu'il se faisait des petits clins d'œil. Donc c'est forcément Spielberg. Coppola, c'est mort. Oliver Stone, il a fait quoi déjà, Oliver Stone? Non, non, pas 50-50, ils vont me filer Spielberg et Lucas, c'est sûr. Non, mais c'est Spielberg, c'est Spielberg. Franchement, c'est Spielberg. A pour JFK. pas sûr pour JFK. Il y a plein de coups d'œil à Star Wars dans Indiana Jones, donc j'hésite, Lucas. Non, non, justement. Tu vois, par exemple, dans Star Wars, George Lucas avait inclus les créatures de E.T., les mêmes aliens que dans E.T., pour faire un clin d'œil à Spielberg qui avait fait E.T. Et ils arrêtaient pas de se faire des clins d'œil. Donc c'est forcément Spielberg et Lucas. «
Ah ouais. Ok, d'accord. I'm back, j'ai cru que j'allais m'endormir dans la douche tellement je suis fatigué, putain. Dur. Dans la scène du Sénat, effectivement. Ouais, donc du coup, George Lucas faisait des clins d'œil à Spielberg et Spielberg faisait des clins d'œil à Lucas. Donc ça veut dire que si dans Indiana Jones, il y a sur des hiéroglyphes une incruste de R2-D2 et C3PO, c'est forcément Spielberg qui fait un clin d'œil à George Lucas vu que Lucas a fait les Star Wars. Sinon, Lucas n'aurait pas mis lui-même un clin d'œil à ses propres films. Il faisait pas ça. C'était vraiment le jeu entre eux, quoi. Allez, franchement, allez, Spielberg. T'as raison, Xalinette. C'est parti. Je suis serein de ouf. Allez, c'est validé, putain. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et la 3D, bien sûr. La 3D incroyable. Il nous reste deux questions. On passe de 300 000 à 1 million. J'ai l'impression de revivre le live Hot Ones chez Yop, où il me fait goûter des sauces piquantes, et on passe de 300 000 à 1 million de Scoville. La dernière a utilisé Joker, clairement. La 3D Minecraft en fixe. Oh non, mais c'est une catastrophe. À Monaco, le prince Régnier 3 a succédé à... Putain, j'en ai aucune idée, sérieux. À Régnier 1er. À Régnier 1er, bien sûr, avec ses 8 pattes. Charles 15. Louis II ou Basile III? A ou D? Putain. Stéphanie et Albert de Monaco. Non, non, Arthur, ça n'est pas la question. Non, Vanille, la E ne fait pas partie des propositions. Stéphanie Monaco. Non, 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 Origine Lyon. Stéphanie de Monaco. Non. Non, Valentine, la Z ne fait pas partie des propositions. Mm. On est d'accord, de toute façon, clairement... Oh, Dan, il est tellement mignon. On est d'accord, clairement, on n'en a aucune putain d'idée. Bon, allez, est-ce qu'on ferait pas un Joker? Oh, c'est quoi le P? Ah non, c'est partir. Non, on va pas partir avec 300 000. C'est la première partie, on tente le million. On a le vote du public, l'appel à un ami, le 50-50. Déjà, on peut peut-être faire le vote du sondage. Pas le public, il est débile. Ouais, non, c'est vrai. T'as raison que le public, il pue la merde. Hein. Nouveau sondage. Qui succède tout ça. Voilà. A, B, C, D. Allez, 2 minutes. 2 minutes de vote dans le chat actualisé, c'est parti. Mettez ce que vous auriez répondu. Déjà, c'est pas, sinon ce serait Régnier 2. Ouais, ça se tient. Je vote pas, j'en sais rien. Non, mais franchement, de voter ce que vous auriez pensé au pif. Je ne connais que la radio RMC et TMC, la TV. Mais... Déjà, c'est pas, sinon ce serait Régnier 2. Faut demander... Ah, ChatGPT, c'est mort. Je vote pas, j'en sais rien. D. Bon. Vous avez voté quoi? La D, il y a 2 votes. La C, il y a 1 vote. Et la B, il y a 1 vote. Ok. Votez dans le chat, enfin, sur le live, là, il y a un sondage qui apparaît normalement. Yves Régnier, bien sûr, Arthur. C'est validé. Yves Régnier, il fait pas partie des propositions, mais j'aurais kiffé. Mais Régnier premier, c'est pas Yves Régnier. Enfin, sans déconner, c'est chaud, hein. Le sondage nous aide pas trop, on s'en doutait. J'avoue, c'est pas évident. J'aurais voté quoi, moi Les Louis, les Basiles, c'est mort. Les Charles, les Louis ou les Charles, c'est du roi de France, ça. C'est du roi de France, c'est pas du roi de Monaco, ça. C'est pas du Monaco. Peut-être qu'il y a un Régnier qui est mort et on est passé direct au 3. Possible. Un peu comme... Pardonnez-moi l'analogie, mais un peu comme Brice de Nice, tu vois.
Le sondage du chat, on est sur la réponse D. Ouais, bah évidemment, les rêves de merde, on connaît. Donc, Louis et Charles, c'est trop vieux. J'ai entendu Brice Denis, tu dis ça pour... parce que ton live il est cassé. Oh putain, Xalinette. J'avoue, peut-être Louis II, du coup. Mais non, mais sérieux, en même temps, j'ai pas vu le 1 et le 2. Tu mérites de pas avoir vu ces films. T'as de la chance. Ou alors tu faisais référence à Basile 3. Et effectivement, si t'as pas vu Basile 1 ou 2... Je change mon vote pour Louis II. Putain, fais un 50-50 ou un vote du public. Allez, 50-50, c'est parti. Ah ! Excusez-moi pour le cri. C'est stressant. C'est beaucoup d'émotions. Ce live, c'est vraiment beaucoup d'émotions. Putain... J'invoque une ambiance spéciale. Attendez, je reviens. Voilà, ben voilà. Parce que le système fonctionne pas du tout. Pardon. Non, en fait, j'ai du Bluetooth sur mes lumières, et du coup, je voulais un peu tamiser le truc, hein. Putain, Valentine, j'avais pas vu ton message. Des bisous, Valentine. Bon, on a du C. Charles XV, Louis II. Et le... Hé, Takeru. Comment tu vas, le roi du sel? On est sur Qui veut gagner des millions, version Nintendo DS. Parce que je voulais faire un jeu ce soir et ça marchait pas, donc on a basculé là-dessus au dernier moment. Non pas sans galérer, je te rassure. Franchement, le roi du sel, si tu connais bien Monaco, tu nous sauves. Là, on hésite. On est à la question à 300 000. À Monaco, le prince Régnier III, a succédé à Charles XV, Louis II. Putain. Ah, c'est solennel, hein, ce qui se passe. Louis II, du coup. On va aller de Louis II. Ah, putain, non! Oh, Takeru, le chat en PLS, tout le monde est chez lui en train de faire... Mais pourquoi? Pourquoi il a dit Charles? Pourquoi il a dit Charles? Ah, il y avait du Louis à balle dans le chat, et là, toi, tu nous sors un Charles, tu te rends pas compte de ce que tu viens de faire, Takeru. Tout le monde a dit Louis, et toi, tu dis Charles. Ça sonne vraiment bourgeois. Charles XV, ça sonne la bourgeoisie, hein. Fais gaffe, le petit personnage DJ essaye de régler la luminosité sur le maximum. Oui, j'avoue. XV, ça fait beaucoup. Bah, XV, c'est pas mal en vrai. Hein. Mais Charles XV, j'aime bien. Je commence à bien aimer Charles XV. Plus que Louis II. En même temps, des Charles... Le prince Régnier, typiquement... C'est récent. Donc des Charles, il a pu y en avoir masse. Alors que des Louis, il n'y en a pas eu tant que ça. Du temps des rois. Donc la logique, ce serait plutôt... Non, je sais. Mais est-ce que ça s'adapte au Louis ou au Charles de la France? Non, pas du tout. Parce que Régnier III, c'est récent, donc du coup... Régnier III, Louis II, c'est proche, non? Fauteuil, tabouret, c'est presque pareil. Franchement, parce que Charles XV, putain... Non mais après, tu sais, genre des Charles, il y en a eu masse. Et après, ils ont pas besoin d'être... tu vois, par exemple, Régnier, le prince Régnier, il était prince.
ok ? Eh ben, il s'appelait Prince Régnier 3. Ou alors, il a fallu qu'il soit roi pour devenir Régnier 3. Non, mais t'as raison, c'est du pif. Non, mais du coup... Tu m'as brain. Putain, tu pars sur Louis. Bon, allez, hey, vous savez quoi ? On valide Louis. Et on verra. Réponse définitive. Oui. Oh putain, c'est ça ! Oh GG ! C'est incroyable ! Vous vous rendez compte là ? On accède à la question à 1 million d'euros. Pas 1000, pas 100 000, 1 million. Qui a... j'ai peut-être une idée. Qui a écrit les paroles du tube de Johnny Hallyday « Pour moi, la vie va commencer » ? Jean-Jacques Debout, Charles Aznavour, Hugo Frey ou Luc Plamondon ? Jean-Jacques Debout, il y a de grandes chances, parce que « Pour moi, la vie va commencer », c'était vraiment à l'ancienne. Charles Aznavour, ça pourrait. Ouais, ça pourrait aussi. Hugo Frey, j'y crois pas du tout. Et Luc Plamondon, il a eu son quart d'heure de gloire, mais Johnny, c'était pas la... Je pense pas que Luc Plamondon écrit pour Johnny à ce moment-là, quoi. Parce que là, la vibe de « Pour moi, la vie va commencer », c'est vraiment le début de Johnny avec la vibe Elvis et tout ça, là, où il plagie à mort. Luc Plamondon, c'est un mec qui a fait des comédies musicales. C'est lui qui a fait Notre-Dame de Paris ou un truc dans ce genre. C'est lui qui a fait Starmania, en tout cas. Donc, gros nom de la chanson, Luc Plamondon. Très grand nom de la chanson. Hugo Frey, déjà chanteur, mais je pense pas qu'il... Plamondon, plus au Québec qu'à cette époque-là. Ouais, je pense, ouais. Mais Starmania était déjà arrivé en France, je pense, à ce moment-là. Parce que, tu vois, tu prends... Balavoine, tu vois, ou... Merde, comment il s'appelle ? Michel Berger, il a écrit pour Johnny. Michel Berger, il a écrit pour Johnny, donc du coup, vu qu'il a joué dans Starmania... Starmania, c'est 75, ouais, bah du coup, ça colle un peu, quand même, non ? Je trouve ça pas mal. Donc Jean-Jacques Debout, franchement, il y a de grandes chances. Ou Charles Aznavour. Qui n'a pas écrit pour Johnny, franchement, c'est pas faux. C'est une bonne question. Il y aurait eu... Pascal Sevran, je votais direct pour lui. Tu sais, c'est un peu la question à 1 million avec l'Outsider que tout le monde a oublié, le présentateur télé, en fait, il écrivait des chansons. Mais là, il n'y est pas. Donc, de toute façon, la question se pose pas. Putain. Imaginez le vote, le Joker appelle un ami. Ça appelle Valérie Pécresse qui dit « Debout !» Elle va être longue, cette soirée. Bon, je pense qu'on peut déjà utiliser les Jokers. Hein. Comme ça, on n'en parle plus. Hein. Vote du public. Ouais, mais il a fait... Sevran, il a fait Johnny. Allez, vote du public, c'est parti. Oh, vous êtes sérieux, putain. Quel public de merde. Donc, le public vote plutôt la A et la C, à 32%. Ensuite, on va se tenter l'appel à un ami. Hein. De toute façon, on va les utiliser, hein, à un moment donné. Oh là là, ça sonne. J'espère qu'il va décrocher. Hein. Ah, réflexion. Allô, oui, bonjour, c'est Indigo du podcast Avant d'aller dormir. Je t'appelle pour la question à 1 million d'euros. Ouais, bah, tu vois. Il pense que... Je pense que c'est la A. Mon ami pense que c'est la réponse A.
Oui, bonjour, c'est Indigo. Mais réponds-moi, j'ai 30 secondes, putain. Allez. Bon, sérieusement. Jean-Jacques Debout. La question piège par excellence, ouais. Mais Jean-Jacques Debout, j'y crois à mort. Après... Ah putain, c'est dur. Ah non, mais clairement. Jean-Jacques Debout, il est... Jean-Jacques Debout, son... Jean-Jacques Sanchez. Jean-Jacques Debout, c'était pareil. C'était des frères de soirée parisienne. Putain, vas-y. Vas-y, Jean-Jacques Debout. On valide. On valide. On valide. Ouais, mais là, tu vois, ils pensent que c'est A. Le public a dit A à 32%. Ça fait plusieurs A. Appel à un ami, ça commence par A. Et si on avait appelé Denis Brognard, il aurait fait A le même. Donc ça fait beaucoup de points communs quand même. Oui. Franchement, le A. Chantal Goya. Et sorti. Oh putain, vous êtes tous les deux sur Chantal Goya. En même temps, Jean-Jacques Debout, c'était forcé. Est-ce que c'est notre dernier mot? Est-ce que c'est notre dernier mot, Jean-Jacques Debout? Sondage dans le chat. Non, je déconne, vas-y, flemme. On est avec toi, franchement, merci. Allez, Jean-Jacques Debout, c'est parti. On valide. On va peut-être gagner 1 million d'euros sur Nintendo DS. Et ça, c'est pas rien. Je viens de prendre 70 ans, bordel, mais tellement. Allez, Jean, le million. Putain. C'est solennel ce qui se passe, ok? Là, j'ai la pression de ouf. Hein. C'est parti, j'appuie. Si c'est Aznavour, je pète mon crâne, mais tellement. Allez, j'appuie. Oh putain, oh putain. C'est validé! Oui! C'est le million d'euros! Oh, la culture! La culture! La culture vaincra! Oh là là, mais qu'est-ce qu'on va faire de tout cet argent virtuel? Faut qu'on achète des NFT, évidemment! Putain, GG à vous! Oh la vache, eh, la pression qui redescend. En vrai, on rigole, mais quand on est à la télé, c'est pas pareil, hein. Oh, le one shot, là. Putain, le speedrun. Mais tellement. 1 million d'euros virtuels. Mais c'est fou, là. La virtual money. Ça y est, c'est pris pour une resta. Mais tellement, mais évidemment. Faut en rajouter des caisses. On s'en refait une. On s'en refait une petite, hein. Est-ce qu'on fera mieux? Je ne sais pas. Allez, c'est parti. Lequel de ces lieux est aménagé pour la pratique du sport? L'atelier, le gymnase, le laboratoire, la cantine? Bon, allez, vas-y, on enchaîne au début. Hein. Flemme. Réponse définitive, bien sûr. La cantine pour Carlos. Putain, vous m'aidez pas dans le chat. Hein. Selon l'expression, quelqu'un qui fait son baluchon s'apprête à aller danser, à bouder, à faire le pitre ou à partir. Faire le pitre. Allez, à partir. C'est parti. La D, je suis serein. La cantine pour lancer le petit pois. Un peu des quatre, effectivement. Quand on est ivre, on dit familièrement qu'on a un coup dans le genou. La main, la cuisse ou l'aile? L'aile ou la cuisse? Coup dans l'aile.
La question du juge, j'ai trop quelqu'un qui veut rentrer un carré dans un rond avec de la bave aux lèvres. Horrible. Allez, 500 balles. Dans l'univers de la mode, un vêtement portant la marque du créateur est écorché, éraflé, griffé ou rayé. Un vêtement griffé. Allez, 800 balles. Dans la poche. Le C, bien sûr, mais oui. Jean-Paul Gaultier, bien sûr. Complétez ce refrain d'Alain Souchon. Il y a de la rumba dans l'air, le smoking de travers, le gilet à l'envers, le col qui a souffert, ou le veston par terre. Oh putain. Oh, je l'ai pas. Le smoking de travers. Dan, je te fais totalement confiance. C'est question pour un trophion. Vanille, le sniper. Vanille, elle arrive. Paf. Question pour un boomer ou quoi? Allez. Smoking de travers, je vous fais confiance, hein, totalement. Ah ouais, mais... pas, je suis pas... pas celle-là. Pas celle-là. Allez, le premier palier, c'est fait. Ouais, mais... c'est une chanson sur un aspirateur, là. Il y a de la rumba dans l'air. Question pour un boomer, faut créer un concept, mais tellement. La coupe de l'UEFA est une compétition de football, basketball, de ski ou de tennis? Oui, de football, Arthur, exactement. C'est validé. Ah, Tractolu, Dan qui arrive derrière. Ski, bien sûr. Allez, vote. Vote du public. Origin Lion, le troll. Putain. $3000 dans la poche. On remplit la pièce de Lego, hein. La pelote basque. Le snooker. Oh là, le suspense de la musique. En 1980, qui interprète le rôle principal du film La Banquière? À chaque fois que t'es en live, je cuis des œufs durs, quelle coïncidence. La Banquière avec Isabelle Huppert, Fanny Ardant, Catherine Deneuve ou Romy Schneider? Putain! J'en ai aucune idée. Je connais pas ce film, déjà. Là, c'est vote du public, direct. Vote du public, une question à 6000 balles. Le public doit savoir, ça. Catherine Deneuve, c'est vrai? Dan, t'es au pif ou tu sais la réponse? C'est mais pas sûr. Sûr à combien de doudou pour cent, Dan? J'ai annualisé. Attends, c'est-à-dire... annualiser, c'est-à-dire que c'est un des films que tu regardes tous les ans, La Banquière? Vanille, tu vas proposer toutes les réponses, là. Tu crois que je te vois pas venir? La B, Fanny Ardant, putain, non, non! La D, non, mais non, mais arrêtez, arrêtez! Non, j'ai annualisé. Non, mais ce sont des actrices qui auraient pu jouer ça à cette époque. Ah, d'accord, dans ce sens-là. Oh, putain. Allez, vote du public, franchement. Un sondage dans le chat. Non, mais là, parce que là, c'est trop... enfin, il y a trop d'hésitation dans le chat, là. Vote du public. Allez, ça part. La D, Romy Schneider, tu vois. Romy Schneider, 40%. Putain, computer. Oh, la D.
J'ai envie de faire confiance au public. Vous en pensez quoi? J'avais raison. Effectivement, Vanny, tu avais proposé toutes les réponses. Ce qui est une technique en soi. Hein. Je suis seul maître à bord. Putain, ok, vas-y, je fais confiance au public. Je suis désolé, le chat. J'ai envie d'y croire. C'est bon, allez. Par rapport aux stats, je pense... Ça y est, j'ai brain le jeu, là. Direct. Bon, on a un joker en moins. Mais je pense que ça valait le coup, quand même. Souvent mis en conserve, l'albacore est une espèce de... Bon, c'est facile. De thon, de sardine, de crevette ou de crabe. Bon, de thon. De thon albacore. Mais oui, là. Ah, bien sûr. Bien sûr. Réponse définitive, oui. Totalement. Le même. Albator. Duton ou un manga. Jacques Duton. Bon, allez, vas-y. Traditionnellement, chez les Inuits. Oh non, on avait dit... les kayaks sont fabriqués avec des peaux. Traditionnellement, chez les Inuits, les kayaks sont fabriqués avec des peaux de phoque, de renne, de baleine ou d'ours. De phoque ? Bah, de phoque. Des peaux de baleine, putain, ils sont balèzes, hein, franchement. Peau de phoque, ouais, bah allez, vas-y. Certain. De phoque ! Oh, Jésus ! Deux fois quatre? Huit? De Bibifoc, les vieux savent. I8. Oh putain, j'y étais pas. Dans quel dessin animé de Walt Disney rencontre-t-on la fée bleue? Oh, Cendrillon, Bambi, Peter Pan ou Pinocchio? Cendrillon, bien sûr. Bah, c'est la marraine la fée, quoi. La marraine la fée. Dans Bambi, il n'y a pas de... Il n'y a pas de fée. Dans Peter Pan, il n'y a pas de fée. Si, il y a des fées, mais c'est pas la fée clochette, quoi. Il n'y a pas de... Pinocchio, il y a Jiminy Cricket. Mais est-ce qu'il y a la fée dans la version de Walt Disney? Il y a la fée? Pinocchio? Putain, je vais me faire défoncer dans le chat. Hein. Apparemment, c'est bien Pinocchio. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Mais oui. Mais oui. Oui, je vais me faire taper par le chat. Ah, donc la marraine l'a fait, c'est pas la fée bleue, quoi. Ouais, c'est la fée bleue qui l'a transformée, elle a pas de nom, c'est la fée bleue. Eh ben, écoute, Pinocchio, c'est parti. C'est parti. Je vous sens véhément sur cette réponse. Est-ce que mon hésitation vous a sorti de vos gonds? Peut-être. Merci, le chat. Oh là là, le palier, le palier. Ouais, ouais, j'avoue que vous allez naître. Bah après, les vieux Walt Disney, je suis pas à jour. Hein. Je suis pas du tout à jour. C'est honteux. Nicolas Copernic était un célèbre astronome polonais, belge, italien ou russe. J'ai vu les deux versions par Zemeckis et Del Toro. Zemeckis, j'ai vu... j'ai vu les deux. Effectivement. Mais là, c'était Walt Disney, du coup, il y a des... Des libertés, quoi, tu vois. Il y a du A, il y a du russe, je crois. Il y a du A. Il y a 3 A. Belgorusse. Ça fait BD, ça. Ça marche pas. Et paf, ça fait des Copernic. J'ai envie de vous faire confiance. Enfin, oui, oui. Ça nous a mené à la victoire quand même juste avant. Hein. Allez, Polonais. Réponse définitive.
bien sûr. Envoie la thune. Allez, le A. Il est le célèbre inventeur de l'expression grossière Copernic ta mère, bien sûr. Oui, bah oui, oui. L'acteur Marion Michael Morrison est plus connu sous le nom de John Wayne, Robert Mitchum, Gary Cooper ou Clint Eastwood. Oh, putain, d'habitude je suis bon à ça et là j'en ai aucune putain d'idée. John Wayne ou Robert Mitchum. Alors, Dan, si tu t'appelais Marion Michael Morrison, pourquoi tu t'appellerais Robert Mitchum? C'est-à-dire que le gars, il avait le choix de changer de nom et il a pris Robert Mitchum. Dit aussi Bob Mitchum. Le gars, à chaque fois, il se présente, on lui dit « à tes souhaits » et il a quand même choisi ça. Hein. Putain, regarde, là, il y a du B dans le chat. Alors que John Wayne, Gary Cooper, Clint Eastwood, ça claque. Robert Mitchum, ça pue la merde comme nom. Mitchum, il raisin. Plus facile pour les studios et les écrans géants. La A, mon gars. John Wayne. C'est sûr que c'est pas le meilleur choix. Mais oui. A. Ouais, mais Rising Lion, tu trolls et des fois tu trolls pas. Du coup, je sais pas trop. Xalinette a proposé Obi-Wan Kenobi. A. Putain, John Wayne. John Wayne s'appellerait Marion Michael Morrison. Michel Blanc. Alors, le fait qu'il s'appelle Marion... Attends, pas John Wayne, c'est quoi que j'ai en tête? James Dean, rien à voir. C'était sa femme, je crois, qui était avec lui en bagnole. Rien à voir. Qui s'appelait Marion. Donc, non, je pensais à James Dean, mais rien à voir. Enfin, rien à voir, un peu quand même avec ses acteurs, mais... Putain. Ah, il y a du A maintenant, il y a du A dans le chat. Vas-y, sondage dans le chat. Allez, vas-y, c'est parti. Ça mérite. Nouveau sondage. C'est Kiki. A, B, C ou D. Allez, une minute, c'est parti. À vos votes. Je suis pas assez vieille pour ces conneries. Clint, c'est Clint. Peut-être. B et C, c'est mort. Ah, carrément. Je pense, Robert Mitchum, je vois vraiment pas un gars choisir ce nom, tu vois. Praxus, le A... Dan, la A. Origin Lion, la A. Xalinette qui choisit la réponse. Et le sondage, j'ai dit quoi? La A et la B. Putain, votez de... Ah, trop tard. Ah là là, ex aequo A et B. Origin Lion, je me repose complètement sur toi. Et on va mettre la A. John Wayne. John Wayne s'appelle Marion Michael Morrison. Ça claque, en vrai. La A, allez. Êtes-vous sûr? Franchement, non, mais je vais mettre oui. Ah oui! Mais Origin Lion, le GOAT! Mais le GOAT! 100 000 balles grâce à toi! Putain, c'est incroyable! Sinon, prends garde à toi! Oh là là, mais quel boss!
Trois questions. Hein. On y est. Merci, mais c'est Origine qu'il faut remercier. Tous ceux qu'on dit à... Ouais. Dans lequel de ces sports, le joueur peut-il tenter un drop goal? Au handball? Pas impossible, ça. Au water polo? Ah, le drop au rugby? Rugby, le drop. Ou au football? Handball, water polo, rugby, football. Je dirais rugby, quand même, le drop. De mémoire, j'entends parler de drop dans le rugby, quand même. Vous en pensez quoi? Ouais, t'as quel rôle? Le C? Ok. Je sais pas, bon. Je sais pas. Donc le C peut-être. Rugby à 550%. Rugby, y a pas de but. Alors y a pas de but comme on entendrait, mais il y a des poteaux et tu peux marquer des buts, tu peux faire. Tu peux marquer un essai, tu vois, entre les poteaux. Drop goal, ça me paraît bien, dans le sens goal, but à atteindre. Puisque ça reste une expression anglaise. Ça me plaît bien, rugby, drop goal. Water polo, franchement, fait chier. Tu peux tirer entre mes deux poteaux ou poser la balle, faire un touchdown. Non, Takeru. Non, ne corrige pas ta phrase. Tu as quelque chose à nous dire, apparemment, le roi du sel. On dirait les paroles d'une chanson paillarde. Tu peux tirer entre mes deux poteaux ou poser la balle pour faire un touchdown. Ouais, exactement. La C, franchement, ouais, Arthur, vas-y, la C. Allez, rugby, c'est parti. Allez, drop goal, rugby. Allez, mais oui, le drop. Le drop en rugby. Faut se faire confiance. Et on s'est rassurés tous mutuellement. Allez, plus que deux questions. Hein. On veut 2 millions. Hein. Eric Cantona, il joue Walter Polo avec ses pieds. Le Walter Polo. Chez l'homme, la voûte du palais est également appelée voûte paléale, voûte palatiale ou palatiale, voûte paladienne ou voûte palatine. Voûte palatine ou voûte palachocolat, palo chocolat. C'est juste pour savoir à peu près dans quelle région vous êtes. La voûte du palais, ok. Voûte palpatine, ouais, je pense qu'on y était tous, hein. Effectivement. Ou la voûte peint opale. On est sur la voûte palatine ou la voûte peint opale? Voûte palatiale. Palatiale. Voûte paladienne, j'y crois pas du tout. Paléale, j'aime bien. Palatiale, c'est pas mal aussi. Hein. On dit labiale, effectivement. C'est pas con. Une palatiale, ce serait pas mal, ouais. La A ou la C sonne bien. Merde. Une palatiale. C'est palatiale ou c'est laciale? J'aime bien la logique de palatial par rapport à labial. Est-ce que ce serait pas le moment de faire un 50-50? Je viens de bouffer. Ah, t'es bon public. Est-ce que ce serait pas le moment de faire un 50-50? J'ai l'impression que vous êtes frileux sur les jokers, hein, dans le chat. Ouais, on les garde pour la fin, mais c'est toujours la question, ça. C'est toujours le problème de est-ce qu'on les garde pour la fin ou pas, quoi. Vote du chat. Allez, vote du chat, c'est parti. T'as raison. Nouveau sondage. La voûte. A, B, C ou D. 1 minute, c'est parti. Votez dans le chat. À vous de jouer. A, B, C ou D. Chez l'homme, la voûte du palais est également appelée voûte paléale, voûte palatiale, palatiale, voûte paladienne ou voûte palatine.
Ah, j'ai la A, la B, la D. Personne pour la C. Pour l'instant, j'ai du ex-aequo sur trois réponses, là. Là, ça m'aide pas du tout, là. Oh, le 50-50 bien utilisé, origine. Oh, mais le GOAT, vraiment, mais vraiment. La B, la B. Votez dans le sondage en cours. Si vous écrivez dans le chat, je sais pas si vous avez voté ou pas voté, ou si... Oh là là, plus que quelques secondes pour voter. Voter Sticule, bien sûr. Rah, j'ai du ex-aequo là. Je l'ai pas le sondage, merde, fallait actualiser. Ok, donc Dan, tu rajoutes un vote pour la B, c'est ça? Ok. Donc ça fait deux votes pour la B. Praxus l'abbé, Dan l'abbé, Dan l'abbé. Putain, Pierre l'abbé éventuellement aussi. Bien connu des Restos du Cœur. Pas du tout des Restos du Cœur, de... Putain, Emmaüs. Voilà. Dan la reconversion, oui, tout à fait, on était là-dessus, Takeru. Bon, allez, la B, ça part sur la B. Allez, c'est parti. Je veux pas voir, j'entends juste le son. Ah putain, c'est pas bon. Oh, c'était la Palpatine. Oh, mais origine, tu vas m'en vouloir. C'est l'erreur. Ah là 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 là. C'est terrible. On redescend à 48 000 euros. Putain, c'est terrible ce qui se passe. C'est terrible. Palpatine le maître, mais oui. Palpatine, où est-ce qu'il réside? Dans un palais. Putain, on aurait dû s'en douter, ça. C'est reparti, là. C'est la dernière. Dans un match de football, combien y a-t-il de mi-temps de jeu? 8, 4, 6 ou 2? De mi-temps. Allez. Ah bah merde. Il arrive parfois qu'un maire, sans le savoir, célèbre un mariage bleu, vert, blanc ou gris. Mariage blanc. $300. Quand une affaire risque de mal tourner, on dit familièrement qu'elle sent le vernis, le mouillé, le rouillé ou le roussi. Allez, le roussi, ça sent le roussi. On speedrun. La poiscaille, ça sent la poiscaille. Ça sent le soufre. À la maison, dans quel appareil peut-on trouver un tube cathodique? Le grille-pain, la télévision, le téléphone, l'aspirateur? La télévision, bien sûr. Je vous laisse pour ce soir. Prenez soin de vous et prenez soin de vous, tout le monde. Merci Arthur, des bisous. Et surtout pas d'oublier. N'oubliez pas. Prenez soin de vous. Dans mon... Des bisous Arthur, à bientôt. L'une des plus célèbres équipes de football européenne est le Real de Marseille, le Real de Manchester, le Real de Turin ou le Real de Madrid. Real de Madrid. Allez, c'est notre dernier mot. La bise Arthur, et encore merci de m'avoir sauvé avec ce question pour un champion. Ah, le son polyphonique du jeu, là, c'est terrible. Hein. C'est vraiment dégueulasse. Hein. Pour un religieux, un chant profane est un chant laïque, monastique, sacré ou mystique. C'est qui veut gagner des millions? Oui. Ah oui, j'ai dit question pour un champion. Oh putain, je suis un boulet. Oui, un champ laïque. Refaire avec le jeu Le Maillon Faible sur PS2. Ah, je crois pas que je dois pouvoir lancer des jeux PS2. Mais à tester. Ce serait cool. Ce serait vraiment cool. Bon, un champ laïque, vas-y, on valide ça. Putain, mais génial. Ça serait trop bien. Le Maillon Faible, ce serait trop cool en vrai. Mais après, c'est un jeu de vitesse. Donc en stream, je sais pas si ça serait cool à faire. On pourrait moins réfléchir à tous.
Alors que là, on a le temps, quoi. On est posé. Dans le langage argotique, un greffier est un chat, un cochon, un chien ou un cheval. Un cochon ? Un greffier, c'est un cochon, non ? Là, ah ! Un chat ? Oh putain ! Genre, il y a un cochon, je sais pas pourquoi. Bon, il y a deux A dans le chat. Vous avez l'air sûr de vous. Pourquoi un greffier, un chat ? Pourquoi on appelle ça un greffier ? Ou un contresens dans le même style avec des voix qui crient le mur, le mur. Il y a 3 A dans le chat, c'est validé. Réponse définitive, oui. Pourquoi un greffier ? Oui, c'est vrai, Praxus, mais... C'est chat dans le nord aussi. Ok. Un groinfier, ouais. Ouais, c'est validé, c'est validé. Un truffier, peut-être. Un camite pour un chat. Qui est l'auteur du célèbre roman Le Vieil Homme et la Mer ? Ah, oh, Hemingway. Charles Dickens, Jack London, Joseph Kessel, Ernest Hemingway. Bon, bah voilà. Hein. La D, hein, sans surprise aucune. Ouais, ouais, là, zéro doute. Toujours la D. C'est pas la mer qui prend l'homme, c'est Ernest Hemingway. Avec le vieil homme et la mer. Ta-ta-ta. Connard virus. Je l'ai commencé et pas fini car trop relou. Il est jamais trop tard. En 1995, Clint Eastwood réalise le film sur la route de Minneapolis, sur la route de Memphis, sur la route de Manhattan, sur la route de Madison. Madison. Sur la route de Madison. Les experts ciné, Madison. Il a aussi inventé le daiquiri. Ernest Hemingway ? Il a inventé le daiquiri ? C'est info ou intox, là ? Ernest Hemingway a inventé le daiquiri. Je sais qu'il picolait énormément, mais est-ce qu'il a, il a inventé le daiquiri ? Oh putain, c'est génial comme anecdote. C'est trop bien. Je suis trop fan. J'adore ce détail. Bon, la D, hein, route de Madison, hein, c'est parti. Oui, on est sûr, hein, on est sûr. Ce daiquiri est mon sang, a-t-il déclaré. Putain, quel homme, quel homme. Attention, on va valider le deuxième palier. Si on répond bon. Dans les années 30, quelle chanteuse immortalise la Java bleue ? Miss Tinguette, Berthe Silva, Fréhel ou Edith Piaf ? La Java bleue, Miss Tinguette ? Les années 30, Miss Tinguette, c'est bien ça. Berthe Silva, c'est bien aussi. Fréhel, j'y crois absolument pas. Edith Piaf non plus. La Java bleue, Miss Tinguette ou Berthe Silva, je dirais. Vous en pensez quoi ? La B, Berthe Silva ? Oh, mais quoi ? Pas Edith Piaf. Hein. Fréhel par élimination, putain, non. Non, Origine. Origine. J'y connais que dalle, là, t'inquiète, t'inquiète. Putain, Berthe Silva ou Fréhel. Je voulais, je suis trop cassé du cerveau, j'arrive plus à suivre. T'inquiète, Xalinette, pas de soucis. Des bisous, la bonne soirée à toi. C aussi, mais sans certitude. Et B, ça me parle pas. Merci, Xalinette. Merci d'être passé, à bientôt. Miss Tinguette, Berthe Silva, Fréhel ou Edith Piaf ? Fréhel, la Java bleue ? La Java la plus belle, quoi. Ça rime avec Fréhel. Donc la C. Ah, c'est dur, là, c'est dur. C'est dur. C'est dur. On a C pour Tractolu, C pour Origine Lyon, Takeo qui dit Edith Piaf, la D, et Dan qui dit Berthe Silva, la B. Je sais absolument pas. La javanaise, non, la javanaise, c'est autre chose.
La javanaise, c'est Gainsbourg. La java bleue, c'est encore autre chose. Son prénom, c'est Cap. Oh oui, c'est validé. Lol, je rigole, MDR. Est-ce que t'as d'autres synonymes de lol, je rigole, MDR? Balance, PTDR. Toujours en plus sur Origin. Pardon, je me moque, je suis vraiment un connard. C'est l'excès, je suis fan de l'excès. Putain, vas-y, sondage dans le chat. Allez. Non, mais vous avez dit PTDR, XPTDR. Merci, merci. Fréhel. Putain, j'en ai aucune idée. Qu'est-ce qu'on fait? Question à 48 000. Juste pour la vanne du cap, on devrait cliquer sur C. Vas-y, ouais. C'est notre dernier mot. Vas-y, vas-y. Franchement. Putain. Mais non. Mais non. Mais non. GG Merlin, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi, Merlin. Je suis bon ou pas? Ouais, franchement, ouais, c'est toi qui avais balancé Fréhel. Mais vraiment, la blague du cap, quoi. Vraiment. Ah putain, franchement, je suis étonnement. Quel jazzman américain a repris la chanson C'est si bon? Sidney Beckett, Louis Armstrong, Miles Davis ou Charlie Parker? Oh la vache, c'est si bon. Sidney Beckett, je verrais bien ça. Louis Armstrong? Non. Ah oui, il aurait repris la chanson. Du coup, j'étais en train de chercher qui aurait pu chanter en français. Mais du coup... Putain, alors là, il y a du gros nom. Mais alors là, bon, bébé, avec sa grosse voix. Ouais, mais... Ouais, moi aussi, j'aurais dit A, mais sûr à 666%. Vas-y. Vas-y, on valide Armstrong. 72 000 balles. Hein. Allez, c'est validé, voilà. Mais voilà, mais Arthur, le GOAT. 72 000 euros. C'est pas rien. C'est vraiment pas rien. Et on passe à la question à 100 000. Toujours en pixels. Les anges. Putain, ça m'énerve. C'est tellement pixelisé que genre les A et les O se mélangent. Les anges tiennent leur nom d'un mot grec qui signifie messager, esprit, gardien ou ailé. Oh. Oh putain, Arthur. Non. Putain. Non mais vraiment Merlin, je suis d'accord, c'est incroyable, on n'en parle pas assez, mais... Arthur est toujours là. Il lurk. C'est mort. Ok, donc c'est non. A, j'aime bien. Messager, c'est cool, en vrai. A, c'est pas mal. Hein. A, c'est... En vrai, le A, il est pas mal. Messager, c'est quand même cool. Hein. Les gardiens, ça n'a aucun sens. Ah, oh, mais oui, mais Origin, t'es un génie. Les anges gardiens, ça serait redondant. Oh, c'est génial. Donc, ça peut pas être gardien, du coup. Et bonsoir, je suis Yop. Comment tu vas? On est sur le live de la loose. T'as pas idée. Petit récap de ce live terrifique pour Yop. Je t'explique. Déjà, ça commence. J'ai renvoyé la roadcaster pour, tu sais, le problème de bouton, là. Donc déjà, il a fallu que je rebranche ma table. Ensuite, on commence le live. Je lance un jeu sur PS5. Mais il détecte que mon clavier et ma souris... Impossible de désactiver ça pour ne jouer qu'à la manette. Impossible. Donc le jeu, c'est dead. C'est dead, on peut pas y jouer.
Du coup, je me dis, c'est pas grave, vas-y, on joue à un vieux jeu, et là, la manette de PS5, c'est mort, ça prend pas. Catastrophe. Donc du coup, il a fallu que je remette une manette de PS4 pour pouvoir jouer à Qui veut gagner des millions version Nintendo DS. Et là, on est sur la question à 100 000 euros. Encore à la vie bien préparée, une catastrophe. Non, franchement, je pensais que c'était réglé, j'avais mon jeu et tout, j'étais bien. Juste que, bah, une catastrophe, quoi. J'aime pas tester les jeux avant le live, j'aime bien les découvrir, vraiment, tu vois. Sauf que, bah, au moment de jouer, ça marchait pas, quoi. Donc, on est sur la question à 100 000 euros. Les anges tiennent leur nom d'un mot grec qui signifie messager, esprit, gardien ou ailé. Là, A, il y a du A, hein. Il y a du A dans le chat. Hein. Il y a beaucoup de A dans le chat. J'aime bien. Comment te portes-tu, Yop? C'était Lego Brick Tales. Un jeu où tu construis des trucs en Lego et que ça te permet de les inclure dans une map qui te permet... Genre, tu construis un escalier pour pouvoir monter un escalier. Et en fait, tu dois avancer et faut construire au fur et à mesure. Ah putain, je voulais le voir. Alors, il vaut le coup ou pas? Il avait l'air pas mal. A, bien, B, ça va. Putain, c'est à tout. Ok, bon, bah, faudra le mater, alors. Qu'à cela ne tienne. Bon, on valide la A. On valide la A, je pense qu'on est plus tous sur la A. J'ai envie qu'on se fasse confiance. Messager, ça sonne bien. Allez. Mais voilà, la A. Mais voilà. Mais bien sûr, 100 000 euros. 100 000 euros virtuels. Tous ces NFT qu'on va pouvoir acheter, là. Des bonnes photos de profil de singe dégueulasses, là. Incroyable. Incroyable. Non, mais il n'y a même pas Jean-Pierre. Quelle capitale asiatique prête son nom à une variété de cigares? Bangkok, Manille, Jakarta ou Hanoï? Manille, j'aime bien. Pour les cigares. Manille de C'est Creepy, hein, bien sûr. Hanoï. Ok. Hanoï, l'huile là, qu'on se met sur le corps pour bronzer, là. Bangkok. Bangkok. Bon, c'est un peu chelou, comme... voilà. Enfin, on va pas faire de jeu de mots. Jakarta, l'encyclopédie, bien sûr, hein, pour les anciens. Le petit du nous montre la bonne réponse depuis le début. Le petit DJ montre la bonne réponse depuis le début. Lui, il montre Jakarta. Hein. Hanoï, t'as l'air sûr de toi, hein, Dan. Toi, t'as fumé du cigare, Dan. Toi, t'as... Ça dépend de l'angle, effectivement. Titre. Oui, bah ouais, bah on y était, hein, j'allais le dire. Tu m'as vu venir, vraiment. Encore un titre, d'ailleurs, ça, tu m'as vu venir. Hanoï, bah écoutez, c'est parti. On valide Hanoï. J'ai envie de te faire 100% confiance, là. Allez. On passe à 300 000. Oh putain, je l'avais dit. C'est le premier que j'ai dit. Nom de Dieu. Je suis dégoûté. C'est pas grave. Tu sais quoi? Je préfère faire confiance à Dan que de gagner 100 000 euros virtuels. Ah, c'est terrible. C'est terrible. On m'appelle Lèvres Gers. Bon, allez, on en refait une petite. Hein. On rush les questions de merde et on passe direct au... Le saut d'obstacle est une discipline olympique qui... Non, Dan, ne t'excuse surtout pas. Le saut d'obstacle est une discipline olympique qui se pratique sur un cheval, un bœuf, un gorille, une poule. Allez, hop, c'est parti. 48 000 euros, une paire de chaussettes. Ouais, mais l'instinct, hein, c'est de la faute de Dan. Lorsque l'on veut narguer quelqu'un, on peut lui tirer les amygdales, la langue, les gencives, tirer les dents. Bah, la langue, on lui tire la langue, quoi. Perdu, c'était une poule! Putain!
Ah, mais Merlin, ta question, elle était incroyable. On dit souvent des fantômes que ce sont des envahissants, des gémissants, des redoublants ou des revenants. Allez, les revenants, avant d'aller dormir. La moulinette est un petit moulin à légumes, à vent, à eau ou à parole. Un moulin à légumes ? Une moulinette ? Les fameux redoublants. Moulin à légumes ? Une moulinette ? Attendez. Ouais, ok. La A, vous, je fais confiance à Dan. Ça nous a fait gagner tout à l'heure. J'ai hésité. En même temps, les autres, c'était de la merde. Hein. J'aurais dit, ah non, effectivement. Traditionnellement, quel alcool accompagne le melon ? Le melon au Porto ? Le rhum, le brandy, la vodka, le Porto. Allez. Nya nya nya. Et la moulinette Chira, effectivement. La bobinette, plutôt. La chevillette et la bobinette. La bobinette comme le podcast, bien sûr. Dans les années 80, Renaud chantait « Dans mon HLM, dans mon château, dans mon taudis, dans mon palace, dans mon HLM. » Allez. Ta-ta-ta ! Putain, Renaud, il sort plusieurs fois quand même ce soir. Putain, la musique. Incroyable. Exactement, Merlin. En 1962, qui chantait Les Comédiens ? Viens voir Les Comédiens ! Léo Ferré, Beko, Béart, Aznavour. Beko ? Beko ? Viens voir Les Comédiens ? La D, Aznavour ? Viens... Oh oui, oui, Aznavour. Il fallait que je le chante pour m'imaginer la voix, tu vois, la voix un peu frétillante, là, d'Aznavour. Allez. $6,000. Rien que ça. Y'a quoi, y'a quoi ? La voix aznavouresque. Un truc dans ce genre, là, dégueulasse, là. Il chante dans sa moustache. Il a pas de moustache, mais il chante quand même dans sa moustache. C'est pour les questions de musique qui sont pas avant 1900. Ouais, on est d'accord. L'orvet est une espèce de lézard dépourvu d'yeux, de langue, de pattes ou d'écailles. Il est dépourvu d'écailles. L'orvet, c'est tout lisse. On est d'accord. La C ? Non, il a pas de pattes ? Ah putain, de pattes. Bon bah écoutez, je vous fais confiance. Hein. Allez, GG. C'est comme un petit serpent. Ok. Bah c'est validé alors. J'en ai chassé, j'ai jamais vu de patte. Et ils avaient perdu. Je l'avais pas. Ouais, bah franchement, GG, hein, à vous. Quel cinéaste est considéré comme le maître du suspense ? Hitchcock, bien sûr. Spielberg, Hitchcock, Lucas, Orson Welles, Hitchcock. Allez. Ça part. Ah, question ciné, à part la banquière là de tout à l'heure. Question ciné, c'est ça passe. Ça passe crème. Allez, palier à 48 000. On y croit. Là, ça devient sérieux là. Délicieux vin rouge, le Fleury est un vin. Oh non, je suis pas bon là-dedans. Je suis pas bon en vin. Dan, peut-être. Du Beaujolais, d'Anjou. De Bourgogne ou de Provence ? Provence ? Un vin d'Anjou, je le saurais quand même. Ah oui, je sais, mais dans le doute, tu vois. Fleury. Par élimination. Vin, le Fleury, si c'était un vin d'Anjou, je pense que je le saurais. C'est ma région. Enfin, voilà. Vin de Bourgogne, aucune putain d'idée, mais en vrai, moi j'hésite entre A et D. Mais en fait, Fleury, ça ferait bien Beaujolais, mais je sais pas. Ah putain, il y a du A, il y a 3 A. Hein. C'est bien,
3A. Hein. Autant de d'harmonie là dans le chat. Je prends direct. On se tente le A et puis voilà, on verra. Avec une manette qui fonctionne, ça serait mieux. Voilà. Bourgogne, les vins sont plutôt lourds. Ouais. Beaujolais, êtes-vous sûr? Allez. Putain, c'est ça. Franchement, vous gérez le chat. Vous êtes des boss. Les 48 000 euros, c'est pour vous. Enfin, si c'est pas le nom d'un cépage. Franchement, aucune idée, Merlin. Hein. Je sais pas du tout où c'est. Hein. 72 000 euros. Le kiwi est un fruit originaire de Chine, d'Espagne, du Maroc ou d'Inde. Non mais on est d'accord, l'animation est dégueulasse. Chine, ouais, j'aimais bien. Je suis d'accord, ouais. La A, ça me plaît bien. Chine, je pense. Chine, non. Chine, A, je pense. Chine, j'aurais dit. Le kiwi, ouais. ouais. Bleu, le kiwi. Il est bleu, le kiwi, Dan. par contre, les private jokes, elles sont elles sont interdites pendant la durée du festival. Le kiwi de Chine. Kiwi de Chine. Êtes-vous sûr de vouloir jouer? Kiwi de Chine. Allez, on dit kiwi de Chine. C'était de Chine. Allez. C'est validé du cul. Putain, on est on fire. On est on fire. Est-ce qu'on va transformer ce stream de la lose en stream de la victoire? À quel apôtre la tradition attribue-t-elle l'écriture du livre de l'Apocalypse? Saint Jean, Saint Luc, Saint Matthieu, Saint Thomas. L'Apocalypse selon Saint Jean, je dirais moi. Saint Matthieu? Saint Maclou, peut-être. J'ai un doute avec Matthieu, ça fait deux Matthieu, du coup. Bah, ils sonnent tous, hein, chrétienté. Du coup, on peut pas se baser là-dessus pour voter. On peut pas se baser sur la sonorité pour voter, Takeo. Mais par contre, Saint Jean, Saint Matthieu, Saint Luc, Saint Thomas. Saint Luc ou Saint Thomas, j'y crois pas. Apocalypse selon Saint Thomas ou selon Saint Luc. Et Apocalypse selon Saint Jean ou selon Saint Matthieu. Ouais, donc Thomas, c'est non. Putain, Origine Lion, toi aussi, Saint Jean. Joker, si pas sûr, t'as raison, Praxus. Alors Joker, 50-50. 50-50. Appelle un ami, vote du public. 50-50, allez, 50-50. Oh putain, les enfoirés. C'est comme à la télé. Ah bah oui, Praxus, je suis désolé. J'ai cliqué vite. Ça nous aide absolument pas.
Non, non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Saint-Jean, hein, j'y crois bien. J'aime bien l'apocalypse de Saint-Jean. Apocalypse selon Dan. Ouais, 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 mais... ils sont... Enfin, ils peuvent avoir écrit plusieurs choses, tu vois, et Saint Matthieu, j'ai pas du tout... J'ai pas du tout... Putain... J'aime bien Saint Jean. J'ai envie de me faire confiance et je vais me détester en plus. Ah, la musique du suspense là. Putain, t'as raison, Dan. T'as raison. Attends. Attends. Vote du chat. Allez, nouveau sondage. Allez, à vous de voter. Votez dans le chat. Tout en haut du chat. Ça sent le soufre. Fun dans la bouche de Dan, ça sent le soufre. 4 votes pour Jean, 2 votes pour Mathieu. Je compte le vote de Dan dedans. Apôtre Calypse sonne comme un nom de catcheur de lucha libre. Vraiment, vraiment. J'ai mangé du Munster, c'est pour ça. Bon, je vais faire confiance au chat. Hein. Là, je pars sur Saint-Jean. Sachant que j'ai pas voté, mais moi aussi, je donnais pour Jean. Apocalypse selon Saint-Jean. Ça sonne bien. Ça sonne les 100 000 balles. Ah putain, oui. Oui. Ah oui, 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 oui. C'est pas le bon jeu. C'est pas le bon jeu. Ah là, bien joué à tous, hein. Bien joué à toutes et tous, hein. Franchement. Hein. La question à 150 000 balles et le retour de Callista, bien sûr. Dans la mythologie grecque, pour séduire Léda, Zeus se serait transformé en aigle, en cygne, en loup ou en renard. Putain, si je pouvais faire appel à Lily, la régie, je pense qu'elle pourrait me dire. En cygne. Ah, vous êtes au taquet, là. Vous êtes au taquet, vous avez l'air de bien connaître. Allez, hop, je valide. On perd pas de temps. Putain, c'est incroyable. C'est incroyable. Magnifique. GG à vous, le chat. Franchement, soyez fiers. Évidemment. Franchement, j'en avais aucune idée, sérieux. Ah là là. Terrible. C'est beau, c'est beau. Quel grand philosophe fut le précepteur d'Alexandre le Grand ? Oh la vache. Socrate, Aristote, Platon,
Pythagore. Alexandre le Grand, gros que tard le Zeus, ouais, vraiment, vraiment. Socrate, Aristote, Platon, Pythagore, précepteur d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand. Ouais, c'est 300 000 balles quand même. C'est pas rien, faut qu'on en parle sérieusement. Alors, tu peux sortir tes cours, mais je sais pas si t'auras la réponse par contre, quoi. J'ai du A ou B. J'ai du B. J'ai du B ou C. Alexandre, il était grec. Franchement, j'en ai aucune idée. Ah, l'histoire, là, c'est trop. C'est pas du tout ma cam. J'élimine le A et le D. Pourquoi ? Moi, j'aime bien Pythagore en philosophe d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand et Alexandre le Conquérant, c'est la même chose. Donc, tu mets un mathématicien qui va faire... bah ouais, pour la science, pour la géographie ou des choses comme ça. Ça peut être bien... Platon, je crois, c'est trop vieux. Mais Platon, j'y crois pas trop, pour le coup. La A ou la B, quoi. Alexandre le Grand était un stratège, un guerrier. Ouais, bah ouais, c'est ce que je me dis, donc Pythagore, un mathématicien, il y a un peu de, tu vois, de la science là-dedans. Pas juste de la philosophie au sens cérébral, tu vois, de la mathématique, j'aime bien. Pour politique et morale, c'est Aristote. Oh la vache. Origine le Goth, là. Cette phrase-là, elle est folle, hein. Politique et morale, c'est Aristote, cette phrase-là, elle défonce tout. Hein. Précepteur, ça veut rien dire. Bon, c'était conseiller, tu vois, ou... Hashtag je suis origine. Bah, c'est beau. Franchement, là... Je suis Dan. De Creepy Story. Donc, la B. On part sur la B. On tente la B, on se fait confiance. J'ai fait de l'histoire, des maths, je peux dire que c'est pas Pythagore. Ok. Si je me trompe pas, c'est Aristote car il y a une référence dans Assassin's Creed Odyssey. Oh putain, t'as raison! T'as raison! C'est vrai ce que tu dis, Praxus? Atta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 t
Jacques Anquetil, j'adore. J'ai foi en cette réponse. On se tente. De toute façon, on met les jokers, hein, on s'en bat les couilles. Allez, vote du public. Faut les utiliser. Hein. Franchement, on est allé jusqu'à 1 million. Oh putain, non! Ah putain! Le public vote pour Lucien Aymar. En premier. En deux, Félix Guimondi. Et en trois, Jacques Anquetil. Ah, je pense qu'on va appeler un ami. Hein. Je vois que ça. Hein. J'en ai marre. Pareil. Allez, on appelle un ami. Oui, bonjour, c'est Indigo du podcast Avant d'aller dormir. Je suis à la question à 1 million d'euros. Putain, aucune idée. Bon, ok, je raccroche. Connard. Sans déconner. Désolé, aucune idée. Vraiment? 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 Mais franchement, mais tu n'es plus mon ami. C'est nul! Ah d'accord, mais tellement! Mais c'est une honte! C'est une honte! Je suis pas bien, moi non plus. Alors, si on s'en tient au public, Lucien est marre. J'ai la tête qui tourne. Ah, j'ai peut-être... attends, mais on peut peut-être passer sur une scène un peu moins gerbante, hein, si tu veux. Parce que là, la scène, elle est vraiment dégueu. Ça fait longtemps qu'on est sur la scène de Doudou 4000. Hein. C'est nul! Mais oui, c'était Homer, évidemment! Oui, c'était ça, Tokyo. Lucien Aymar, il y a un talent caché, calmez-vous, je ne suis que semi-pro. Lucien Aymar, bon, la B, la A, la D, la C. B, A, D, C, vote du chat. Nouveau sondage. À vos votes, votez dans le chat. Votez dans le chat ce que vous auriez répondu. Oh la vache! Y'a que Dan qui se lance là? Oh, Praxus Origin. Y'a un vote pour la réponse B. Je sais pas qui a voté. Ça doit pas être Dan normalement. La C, un vote pour la C. Un vote pour la B, un vote pour la C. Enfin, deux votes pour la B. Je vais mettre ton vote, Dan, dans le chat. Voilà. Tu prends mon vote du coup. Ex aequo. La B et la C, ex aequo. Oh là là, non, pas du ex aequo. Par pitié, le chat, aidez-moi. La B ou la C. Enfin, en même temps, j'imagine que c'est comme moi, vous en savez absolument rien, quoi. C'est terrible. J'ai plus 50-50. Est-ce que tu crois en Anquetil ou en Aymar qui a potentiellement plus de proba? Là, C'est vrai, il y a... Ah oui, t'as de la pub.
Tu parles du jeu ou tu parles de Twitch? Est-ce que Twitch aussi balance des pubs là, ces connards? Du jeu, ok. Oh là là. Ex aequo pour la B et la C. Lucien Aymard ou Roger Pinjon? Faut qu'on discute là. C'est la pub. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien écoutez, je vous propose une courte page de pub. Est-ce que j'ai une pub à vous diffuser? Ah ouais, j'ai une pub à vous diffuser. Allez. Donne-moi un code. Non, 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 pas de ça, pas de ça, pas de ça. Putain, c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Bon, allez, petite pub en attendant le retour à l'émission. C'est parti pour la pub. Let's go. Chaussettes pour les doigts de pied. Les chaussettes, faut les laver. Qu'elle soit en coton ou en laine, vive pieds nus, c'est pas la peine, on porte des chaussettes toute la journée. Cet été, profitez d'une remise exceptionnelle sur toutes les chaussettes à petit prix. Du 36 au 45 en passant par le 37 et même un peu de 42, les chaussettes de votre supermarché sont à prix réduit. Ne mélangez plus vos chaussettes après un lavage parce que la moitié a été volée par des lutins. Cet été, vos chaussettes seront comme vos lunettes, vendues par paire. Qu'elles soient en coton ou en laine, vive pieds nus, c'est pas la peine, on porte des chaussettes toute la journée. Offre sous. Je vais me gêner, Dan, tu crois ça disponible. Ne mélangez pas les pointures. Les chaussettes sont recommandées par les plus grandes marques de lave-linge et l'Union de la Santé Bucco-Dentaire. Peut contenir des traces de fruits à coque. Si des symptômes se font sentir, consultez un médecin ou un podologue dans les plus brefs délais. Offre non cumulable avec les chèques vacances et les tickets restaurants en dehors des coloris prunes, citron ou motif pastèque. Mangez 5 fruits et légumes par jour. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.manger-bouger-digérer-tousser-pour-cacher-le-bruit.gouv.fr. La direction décline toute responsabilité. Veuillez laisser cet endroit dans l'état dans lequel vous l'avez trouvé. Contient des pièces qui peuvent ne pas convenir à un enfant de moins de 3 ans. Ne pas laisser les chaussettes sans surveillance. Les chaussettes ne sont pas recommandées pour le micro-ondes ou pour le lave-vaisselle. En cas d'ingestion, pratiquez la manœuvre de Heimlich ou toussez pour cacher le bruit.gouv.fr. Le jeu entraîne l'addiction, l'addiction entraîne plus d'addiction et encore plus. C'est un peu l'addictionception. C'est pas facile à dire, mais en mon compte triple, ça déboîte tout. Les chaussettes proposées dans cette opération sont 100% coton ou 100% laine. 100% coton et 100% laine sont des marques déposées au registre des sociétés. 100% coton et 100% laine ne pourraient être tenus responsables en cas d'allergie via l'utilisation de chaussettes dans un cadre non prévu par les conditions générales de vente. Pour plus d'informations, consultez l'étiquette du produit. Pour les doigts de pied. Les chaussettes, faut les laver. Qu'elles soient en coton ou en laine, vive pieds nus, c'est pas la peine, on porte des chaussettes toute la journée. Putain, incroyable cette page de pub. Les Antipodes Radio. Il est 18h, vous écoutez les Antipodes, et tout de suite le hit de cet été, vous l'avez deviné, c'est spécial Square du DJ français Doudou 4000. Sur ce, je vais aller acheter des chaussettes moi. Bisous. Ah là 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 là, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. Bon allez, ça suffit. On revient à nos questions là. Il y a un moment donné, faut que ça suive là. J'espère que vous avez la chanson des chaussettes en tête hein. Putain, quel bonheur. Allez, au retour à l'émission, qui veut gagner 10 millions? On est à la question à 1 million d'euros. En 1966, quel cycliste remporte le Tour de France?
Ah, je vous ai tué hein, avec les chaussettes. Hein. Félix Guimondi, Lucien Aymar, Roger Pinjon, Jacques Anquetil. Je pense que on peut valider la réponse B, Lucien Aymar. Calista, j'espère que t'as pas regardé sur internet. Hein. Aymar avait-il mis des chaussettes? Je ne sais pas. J'ai vérifié les miennes, j'ai trouvé un trou. Ah oh, putain. Va falloir que je fasse une scène, la pub des chaussettes, pour faire des pages de pub avec une animation. J'ai envie de faire une pub les chaussettes. Avec le texte qui défile à fond en dessous et tout quoi. Je valide la réponse B, Lucien Aymar. Est-ce que c'est notre dernier mot? Sondage dans le chat, c'est votre dernier mot? Non, pardon. Est-ce que c'est notre dernier mot? Lucien Aymar. J'espère vraiment que c'est Lucien Aymar. Allez, 3. 2. Ah, je suis con, pourquoi je fais un décompte? C'est parti, décompte. 5. 4. 3. 2. 1. Et c'est parti. C'est parti, quoi. Vous n'êtes pas prêts. Ah là 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 là, c'est parti, on valide. Pitié. C'est validé. C'est Lucien Aymar. C'est Epix qui est en train de se produire. Putain. Oui. Oui. 1 000 000 d'euros x 2 ce soir. Putain, c'est incroyable. C'est incroyable. Oh là là. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. 2 millions dans la soirée. C'est incroyable. Ah ouais, là, franchement, là, c'est magnifique ce qui vient de se passer, là. Oh là là. Appuyez sur Start, mais tellement... C'est tellement bien dit, le jeu. Le jeu, il dénonce, là. Appuyez sur Start. Incroyable du cul, hein, Stonks 4000. Ah, c'est fou ce qui vient de se produire. Sans déconner. Vous vous rendez compte de ce qui vient de se passer? Ah oh, la vache. C'est magnifique. Ça, c'est un beau moment de spectacle. Putain. 2 millions d'euros. Ça, c'est grâce à vous. Le The Event. Comment vous voulez que je dorme après toute cette aventure? Tellement. Et l'appel à un ami, là, ce connard, là, qui dit « Oh, j'en sais rien, je sais pas trop, ouais, je sais pas, tu dors pas, non, tu dors pas, clairement pas. » Putain. Ah, oh, c'était incroyable. C'était vraiment incroyable ce qui s'est passé. Écoutez, les amis, il est 22h46. Il va être temps de raid quelqu'un s'il y a du monde en live. Sinon, on se casse comme ça, comme des sauvages. Je retesterai quand même Lego Brick Tales, parce que j'ai vraiment envie qu'on y joue. Il y a moyen que ce soit vraiment cool en vrai. Hein. Ce serait trop cool. Lui, on va le retrouver, on va le saccager. Le jeu de Lego, ça a l'air trop bien, mais en fait, le problème, c'est que non, quoi. C'est que ça veut pas en console à distance, donc je suis niqué. Je peux pas le lancer, donc il faudra vraiment que je reteste, quoi, à un autre moment. Je sais pas comment, je sais pas quand. C'est un peu la frustration, quand même. Hein. Mais ça serait cool qu'on y joue, il avait l'air sympa, quoi. Puis dans la continuité des Lego, quoi, franchement. C'était canon.
Après, il me reste un truc à construire en Lego, mais je pense que ça va être rapide. Je sais même pas combien il y a de pièces dessus, putain, sans déconner. C'est pas indiqué le nombre de pièces. Sans déconner. C'est le blason serpentard. Et bien, tout le monde s'était bien coulé. La bise, Merlin. Merci d'être resté jusqu'à cette heure-là. C'était fou. C'était trop bien comme live. C'était le live de la loose, mais on s'en est bien tiré pour un live de la loose, franchement. Donc ouais, c'est ça. C'est le blason serpentard à construire. Et du coup, il y a le blason et il y a la salle commune avec les persos et tout, quoi. Non, mais la commu qui gagne 2 millions, c'est juste insane. Hein. C'est insane. C'est incroyable ce qui s'est passé ce soir. Donc, il y a ça à construire. Je sais pas si je le ferai en live, j'en sais rien. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de pièces, donc je pense que je le ferai peut-être à part. Mais par contre, ouais, ce serait vraiment cool, quoi. Sur ce, qu'est-ce qu'on se dit? On se fait des bisous, on se dit à bientôt, rendez-vous mardi prochain. On verra, si je répare le jeu, on fera un jeu. Sinon on fait un live guitare mardi prochain, où on chante et tout quoi. Merci pour ce live, le premier pour moi sur ta chaîne, c'est peut-être moi le chat noir. Non, Praxus, aucun souci, merci à toi d'être venu pour la première fois, j'espère que ça t'a plu. Et que je t'ai pas dégoûté des live Twitch mal maîtrisés, mais franchement, on a tout fait. C'était incroyable ce soir. C'était incroyable. Merci pour ta participation. On se quitte là-dessus, on passe au générique de fin. On se fait des bisous et on remercie tous ceux qui sont arrivés dans le chat depuis la dernière fois. Des bisous, à bientôt, portez-vous bien et à mardi prochain, évidemment. Passez une bonne semaine, soyez sages les enfants. Allez. Ciao et encore merci pour les 2 millions. Allez, générique, c'est parti. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à Rinkaku, à Nono, 3240 et à Praxemris. Merci pour les follow. À bientôt. Oh, c'était fou. Allez, ciao.